Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Florent de SpeedEasyCom. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site e-commerce avec Shopify pour 2024. À savoir qu'il y a eu des évolutions sur Shopify, comme par exemple le paiement en une seule étape. Avant, c'était trois étapes. Il y a également des outils pour faire des upsells et du cross-sell, donc qui sont plus optimisés qu'avant. Donc, on va voir en fait comment créer un site e-commerce, optimiser également avec ChatGPT, ce qu'on va voir en fait là-dessus. ChatGPT 4 pour pouvoir nous permettre en fait de créer des pages produits, des articles de blog et tout ça pour tout simplement le développement de notre boutique e-commerce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça va être un cours assez vaste, assez complet et assez long effectivement, mais il y aura des chapitres qui apparaîtront avec des apparitions de certaines vidéos qui seront en haut à droite par rapport aux vidéos qui ont déjà été faites sur ChatGPT pour vous permettre par exemple de créer un calendrier éditorial pour en fait tout simplement promouvoir votre business, d'accord? Donc sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran que vous avez ici et on va aller se connecter, on va du moins créer un compte Shopify et je vais expliquer les différentes étapes. En sachant que pour créer un compte Shopify, vous avez deux techniques. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai une technique qui vous permettra en fait de développer votre site jusqu'à le temps que vous voulez. Hein. Ça peut être développé pendant un mois, deux mois, trois mois ou même un an. Et après, si vous choisissez de prendre un abonnement, vous paierez qu'à ce moment-là. D'accord? Actuellement, Shopify vous permet d'avoir 1 € par mois pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire que vous payez 3 € au final, c'est 1 € par mois. Et passé ces 3 mois, vous passez à 39 €, bon, du moins 39 $ par mois. Et si vous prenez à l'année, ça vous revient à l'abonnement à 29 € à peu près par mois. D'accord? Donc, là, sur mon écran, on est sur Google. Donc, ce qu'on va faire, déjà, ce que je demande à tout le monde, c'est de créer un compte Gmail. Quand vous créez un compte Shopify, je vous conseille d'avoir un compte Gmail pour plusieurs raisons. D'une, parce qu'en fait, tout va être interconnecté. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous allez créer votre site e-commerce, il va falloir avoir des applications pour avoir votre data. Comme par exemple Google Analytics, d'accord, qui va permettre de voir la data. Donc la data, c'est quoi? C'est des données sur votre site web quand vous avez en fait tout simplement des gens qui vont aller sur votre business, qui vont faire des ajouts au panier, qui vont mettre leur système de paiement. Vous pouvez voir aussi quel produit convertit le mieux et ainsi de suite. Et pour ce faire, en fait, si vous voulez, il vous faut Google Analytics. Après, vous avez d'autres outils de Google qui sont très importants, comme Google Search Console. Donc, Google Search Console, en fait, est tout simplement un outil qui va vous permettre, en fait, d'indexer vos pages. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous allez dire à Google, OK, mon site, il est en ligne. Ben, en fait, va dessus pour regarder comment il est fait et en fonction de ce que tu vois, mets-le-moi en avant. En fonction de mes stats, d'accord? Et c'est ce qu'il va faire. Donc, à savoir que plus votre site sera bien fait, c'est-à-dire que le référencement sera bien fait, à ce moment-là, en fait, ça vous permettra d'aller par la suite gratter des pages pour ranker en première page par la suite pour justement être visible quand les gens vont taper certains mots-clés, d'accord? Donc, par la suite, vous allez aussi pouvoir connecter donc Google Ads. Donc, Google Ads, c'est ce qui va vous permettre de faire de la publicité sur Google directement. Bien évidemment, la publicité, c'est payant. D'accord? Donc, quand vous allez sur Google Ads, on va vous demander de mettre des budgets, on va vous demander de paramétrer votre première campagne. Je vous conseille de vous mettre en mode expert pour pouvoir voir la campagne que vous pouvez vraiment faire par vous-même, vraiment bien spécifique et bien ordonnée. Parce que si vous le faites en version intelligente, c'est lui qui va vous le faire et vous ne pourrez pas vraiment choisir vos mots-clés correctement. D'accord? Donc, sans plus attendre, on va aller dessus. Donc, vous créez un compte Gmail, d'accord? Donc là, par exemple, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Gmail, tout simplement, d'accord? Hop. Et là, ici, vous allez aller sur Google ici et hop, vous faites connexion, d'accord? Moi, je vais créer, je crois que je ne l'ai pas. On va créer un nouveau compte. Voilà. On va faire pour moi le compte... Je vais l'appeler, j'avais déjà fait, mais je vais le faire comme ça. Je crois que je l'avais pas créé en plus. Wellness Crew, suivant. Hop, je vais mettre ma date de naissance. Hop, voilà. Hop, suivant. Vous voyez, Wellness Crew. Alors, créer, hop, je vais mettre wellness. Zéro un. Ok, dispo. Donc, en mot de passe. Non, non, j'ai fait, hop. Voilà.
Ok. Numéro de portable, ça c'est pas un secret. Il est en ligne de toute façon. J'ai utilisé sur trop de comptes. Du coup, si c'est facultatif, j'ai pas d'autres numéros de téléphone en cours. Tac, tac, tac. Comment je peux je mettre 06 000 000? Ah non, parce qu'après, il m'a envoyé un truc. Hop. Donc, ce que je ferai, c'est que. Bon, là, vous mettrez votre numéro de passe, parce que moi, il faut que je retire des comptes que j'ai déjà, donc j'en ai déjà plein. Du coup, je le ferai plus tard. Donc, vous aurez juste à finaliser ça, mettre votre numéro de portable, et après, vous y accéderez. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez aller sur Shopify. Donc, pour aller sur Shopify, vous avez deux solutions. Première solution, vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai en bas dans la description, qui vous permettra d'avoir 1 € par mois pendant 3 mois, d'accord? Et en fait, vous taperez tout simplement sur Google, vous taperez tout simplement login Shopify. Là, vous vous connectez, hop, et là, vous faites créer une boutique, d'accord? Quand vous aurez le lien, d'accord? Moi, me concernant, je vais créer une boutique via mon compte, parce qu'il y a deux techniques. Soit vous faites comme ça et vous la créez avec le lien que je vous enverrai. Soit sinon, vous allez sur Shopify Partner, en fait. Et Shopify Partner, vous pourrez créer en fait des boutiques, d'accord? Qui seront en développement, d'accord? Donc, Wellness Crew, j'en avais déjà fait une. Ça tombe bien. On va reprendre celle-là. Donc, sur Wellness Crew, ok, je vais aller dessus. Je vais me connecter dessus. Donc cette boutique, pour vous montrer, on va partir vraiment de zéro. On va tout refaire, d'accord? Donc j'avais fait une boutique juste pour montrer la vidéo que j'avais faite dessus. Donc vous voyez, j'avais une petite vidéo basique, d'accord? Qui se trouve être là. Voilà, j'avais fait le petit logo et tout ça. Donc tout ça, je vais le virer, d'accord? Et on va aller chercher des produits sur AliExpress. Pourquoi il y a une commande en cours? Ah oui, c'est moi qui fais un test, heureusement, j'ai eu peur. Donc je vous montrerai aussi comment faire des commandes test, parce que la boutique n'est pas en ligne, d'accord? Donc moi, par rapport à ça, je vais aller dans tous mes produits que j'avais mis, tac, je vais sélectionner ça, modifier en bloc, il est où? Supprimer, tac, 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 supprimer les produits, tac, voilà. On va tout faire, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment apprendre à tout faire, donc les produits, les collections, je vais tout vous faire. Donc les collections, il n'y a pas grand-chose, donc j'en ai que deux à supprimer. Voilà. Les produits, c'est bon ou pas? Supprime-moi. Ah, il y en avait encore d'autres. Supprime-moi les produits. Voilà. Donc, une fois que tout est supprimé, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ok? Donc quand vous allez arriver ici sur Shopify, donc je vais juste décaler ma tête par là-bas. Ok. Quand vous allez arriver sur Shopify, vous allez apparaître sur cette interface-là. Ok. Sur cette interface, vous allez avoir ici à gauche votre dashboard, en bas les paramètres, et ici vos canaux de vente, c'est-à-dire votre boutique en ligne, vos points de vente, et ici les applications. D'accord. Tout d'abord, quand vous allez arriver ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qu'on va vous demander, comme une sorte de to-do list, en disant ajouter un produit, tac, c'est checké. Personnaliser votre boutique, tac, c'est checké. Ajouter un nom de domaine personnalisé, c'est checké, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que, admettons, je suis ici. Ok? Moi, je suis ici, je vais dans l'accueil, je vais descendre sur les commandes. C'est les commandes, c'est ce qu'on peut voir. Vous voyez, j'avais généré une, parce qu'on peut faire des commandes test. D'accord? Je vous montrerai comment les faire. Et en fait, là-dessus, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir pouvoir faire des commandes provisoires. Donc, commandes provisoires, c'est par exemple si vous faites des commandes et que vous avez quelqu'un qui vient chez vous, d'accord? La personne vient chez vous parce que vous faites de la vente en ligne, c'est votre voisin, vous voulez lui vendre, admettons, un produit de cosmétique, des vêtements ou je ne sais quoi, vous pouvez lui faire une commande provisoire. La personne, après, il va avoir un lien de paiement qui pourra payer ou il vous paye en ligne directement et vous ferez juste commande payée, d'accord? Comment ça se présente? Vous faites créer une commande provisoire. Vous choisissez un produit parmi vos produits, ok? Et une fois que vous avez mis votre produit, ici le prix va apparaître. Vous pouvez y ajouter des réductions si vous le voulez. Et après ici, il y aura un lien par rapport à un ajout de paiement, d'accord? Et vous pouvez choisir un client ou le créer, d'accord? Sachant que si c'est un ami à vous, en amont, vous l'aurez créé dans client directement et vous le personnaliserez, d'accord?
Une fois que vous êtes ici, vous avez les étiquettes d'expédition, d'accord? Donc les étiquettes d'expédition, c'est justement si vous faites, c'est vous-même qui vous occupez de l'envoi et tout ça. Par rapport à une commande qui sera faite, vous pourrez avoir une étiquette que vous pouvez sortir pour pouvoir tout simplement le mettre sur votre colis pour l'envoyer directement par la poste, d'accord? Donc vous verrez, on verra ça plus tard dans les paramètres, mais vous pouvez faire ce genre de choses, ok? Ensuite, nous avons les paiements abandonnés. Donc les paiements abandonnés, c'est crucial de bien les regarder quand vous en avez. C'est tout simplement quand vous avez un client, en fait, qui va tout simplement sur votre boutique, il va tout simplement sur ajouter au panier, il va pour payer, et au moment du paiement, il se barre. Et le panier reste en panier abandonné, d'accord? Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous allez avoir paraître, s'il a mis les infos nécessaires, comme son email, son prénom, et ainsi de suite, vous le verrez apparaître. S'il a juste son nom et son mail, mais qu'il a pas mis le numéro de téléphone, c'est pas grave, vous pouvez quand même lui envoyer un mail pour panier abandonné, d'accord? Il est clair que demander le numéro de téléphone quand on fait la commande, c'est primordial. Des fois, il y en a qui mettent facultatif. Moi, je vous conseille de le mettre parce que si jamais il y a un colis qui doit être livré par la poste, que la poste peut l'appeler. Donc, mettez-le entre guillemets, genre obligatoire, d'accord? Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais les gens peuvent partir, mais le truc, c'est que ça vous évite de galérer derrière pour le gars qui va livrer. Vous pouvez l'expliquer, en fait, pourquoi dans votre FAQ, vous mettez ça en place, d'accord? Après, autre chose à faire, c'est quand vous êtes par rapport au portable et tout ça, par rapport au panier abandonné, ce que je vous conseille, c'est de customiser, parce que c'est vrai que Shopify, de base, envoie des messages par rapport au panier abandonné, mais je vous conseille de customiser et d'automatiser également votre démarche au niveau du panier abandonné. Par exemple, quand le gars prend ce panier, au bout de 20 minutes, par exemple, vous lui envoyez un mail pour savoir « Excusez-moi, nous avons vu que vous avez oublié votre panier. Que s'est-il passé ? Expliquez-nous ce qui s'est passé pour qu'on puisse améliorer, par exemple, notre système pour les clients futurs. » Par exemple, pour pas faire trop le mec qui presse un peu, d'accord ? En faisant ça, ce qu'il y a, c'est qu'après, s'il répond pas, vous pouvez mettre également la possibilité de le refaire, admettons, quelques heures après. Par exemple, vous faites ça 5, 6 heures après 48 heures, et ainsi de suite. Mais vous pouvez faire une automatisation pour que ça lui envoie plusieurs choses et qu'il y ait même des comment dire, un message qui lui soit envoyé avec un code promo, par exemple, si ça fait déjà 48 heures ou une semaine que le mec n'a pas récupéré son panier, vous pouvez l'automatiser pour que ça lui envoie un message, d'accord? Pour ce faire, il y a plusieurs applications qui existent, comme par exemple Klaviyo, Mailchimp, Automizly, après il y en a plein d'autres, d'accord? Parce que des applications sur ce sujet-là, vous en avez énormément, vous allez sur le Play Store, on le verra plus tard, vous allez sur le Play Store de Shopify et vous verrez que quand vous taperez juste le mot-clé email ou mailing, vous aurez en fait plusieurs outils qui apparaîtront. Les plus utilisés, c'est Mailchimp, Klaviyo. Moi, je utilise Automizly qui est un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est fait par Aftership, qui est pas mal. Et en gros, vous pouvez vraiment tout automatiser. La seule problème, c'est que c'est payant. Klaviyo, je sais que vous pouvez le faire, c'est gratuit. Après, sur Shopify, on peut le faire, mais on peut automatiser beaucoup moins. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez le mettre en un envoi automatisé au bout de quelques heures ou quelques minutes. D'accord? Mais après, il n'y a pas tout le cheminement. Genre, s'il dit non, ça va là-bas. S'il dit oui, ça lui envoie le code. Voilà. Vraiment tout automatisé. C'est plutôt compliqué, mais je vous ferai, un tuto là-dessus par rapport à Klaviyo. Et sachant qu'avec Shopify, vous pouvez aussi, en fait, customiser vos emails parce que vous avez droit à 10 000 emails envoyés, en fait, avec Shopify. Donc ça, on le verra également plus tard. Mais voilà. Là, en tout cas, pour les paniers abandonnés, vous pouvez vraiment automatiser la chose pour que la personne reçoive pas mal de mails et au bout d'un moment, il va passer à l'action, d'accord? Ça vous permet de récupérer vos paniers. La meilleure technique reste quand même l'appel, d'accord? Mais je sais que certains peuvent être timides. J'ai des clients, des élèves qui sont timides et qui ont eu des paniers abandonnés. Ce qui est dommage, c'est qu'ils rappellent pas les clients. Quand vous rappelez les clients, faut pas être agressif. En fait, il faut la jouer finement, du style bonjour, désolé de vous déranger, je suis Florent de Wellness Crew et en fait, nous sommes aperçus que votre panier, vous l'avez abandonné et on aimerait savoir pour quelle raison, pour qu'on puisse améliorer tout simplement notre parcours client. D'accord? En fonction de ce que la personne vous dira, là, ce sera à vous d'adapter après vos réponses, mais d'adapter aussi vos modifications sur votre site web. Par exemple, ça peut être, vous vendez un produit, par exemple, et que la personne vous dit, ouais, mais quand je suis arrivé au système de livraison, j'ai vu que je vais encore rajouter 8 euros, et honnêtement, ça m'a refroidi, je suis parti. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous empêche à vous d'augmenter vos prix de base? Comme ça, quand la personne, elle va sur la commande, il y a écrit, par exemple, félicitations, vous avez gagné la livraison gratuite, d'accord? Vous faites une automatisation de la livraison gratuite. Par exemple, si la personne a claqué 1 euro, d'accord, c'est juste au pif, vous mettez
félicitations, livraison gratuite débloquée, par exemple. Et comme ça, il aura l'impression que grâce à son achat, il a gagné quelque chose, d'accord? Comme c'est un gain, psychologiquement, vous lui donnez quelque chose, et en fait, ça va l'emmener à aller plus loin. En fait, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, d'accord? Quand vous allez dans un restaurant, vous arrivez à la caisse, vous payez avec votre carte bleue, vous payez votre repas, d'accord? Et je sais pas si vous avez fait attention, la plupart du temps, il y a des bonbons qui sont mis à côté, d'accord? Parce que vous pouvez prendre les bonbons. C'est comme si c'était une récompense. C'est-à-dire que vous avez payé, on vous donne une récompense. C'est pareil aussi dans d'autres restaurants. On va donner des bonbons, on va vous donner un tampon avec, où on va tamponner comme quoi la prochaine fois vous avez des trucs à gagner. Tout ça, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez, on vous donne en échange. Parce que dans la psychologie des gens, et surtout en France, en fait, le fait de donner et rien recevoir en retour, des fois, on est un peu hésitant. Et quand il y a des trucs bizarres qui arrivent derrière, comme la livraison payante en supplément, les gens lâchent l'affaire. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'en fait, ce que je vous conseille, c'est que quand vous voulez faire des ventes, optimiser vos ventes, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites en sorte que la livraison, en fait, c'est un cadeau parce qu'en fait, c'est pour le remercier d'avoir pris un produit. Donc, à ce moment-là, vous allez dans Shopify, on va le voir ensemble, vous créez dans la partie réduction, vous créez en fait une réduction automatisée par rapport à la livraison gratuite. C'est-à-dire que dès que la personne a claqué 1 €, d'accord, automatiquement, il a en fait le... Comment dire? Il a en fait... mercredi. Il a en fait la livraison gratuite, d'accord? Donc, ça, c'est pas mal. Donc, revenons à nos moutons. Ok, donc une fois qu'on est ici, vous avez le panier abandonné, vous avez compris le système, d'accord, de ce que c'était. Maintenant, on va passer au produit, d'accord. Au produit, je vous reviendrai dessus pour après, on va commencer à customiser, parce que là, c'est vraiment un cours intense, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations. Donc là, on va revenir au produit. Une fois que vous êtes au produit, ici, d'accord, vous avez plusieurs solutions. Pour un produit, il y a soit vous faites ce qu'on appelle du dropshipping, donc ça veut dire que vous utilisez un plugin, donc le plugin que moi je vais utiliser et que j'utilise quand je fais du e-commerce, c'est Deezers, d'accord? D-S-E-R-S, je ne fais pas de bêtises, et de toute façon je vais vous le montrer, d'accord? Et j'avais fait un tuto là-dessus qui date un peu, mais je vais remettre au goût du jour parce qu'il y a eu des nouveautés, mais vous avez Deezers, d'accord? Deezers, c'est un outil qui est également une extension Chrome, donc pareil, je vous conseille de développer votre business, votre site Shopify ou même WordPress, le faire directement sur Google Chrome, d'accord, c'est le mieux parce que l'avantage de Google Chrome, c'est que tout est synchronisé et tout est simplifié, d'accord. D'où le fait de créer un compte Gmail au début, ça vous permettra en fait de connecter les choses pour que ce soit plus fluide, d'accord. Donc ce qui se passe, c'est que, admettons là, je veux faire mon produit, ok. Si vous avez 10 heures pour le dropshipping, je vous montrerai après, on va faire les différentes techniques. Ben, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, vous avez juste à aller sur AliExpress, vous allez voir, il y aura écrit Add to Deezers, donc envoyé vers Deezers, vous allez cliquer dessus et ça va vous envoyer le produit sur l'outil Deezers qui lui-même après renverra sur Shopify, d'accord? Et tout va être interconnecté et automatisé, ok? Ça, c'est une des premières solutions qui est la plus simple. Deuxième solution, vous avez là tout simplement, c'est vous qui créez le produit, vous faites ajouter vos produits ici. Quand vous cliquez là, vous avez tout simplement la customisation, donc ça c'est le dashboard hein, de comment on va le créer avec le titre, le texte, ajouter les multimédias, donc c'est photos ou vidéos, c'est la nouveauté qu'on va mettre en place, on peut mettre des vidéos et je vais vous montrer ce que ça peut faire. Là les prix, ici vous allez avoir les variantes qu'on va ajouter, donc la taille, la couleur, les choses comme ça. Ici ça va être par rapport à la quantité, les stocks qu'on peut gérer. Si jamais vous plantez les stocks, on peut les faire après ici, d'accord, on le verra. À droite, vous allez avoir les différents canaux de vente qui vont exister. Si vous le vendez sur Facebook, Instagram, les choses comme ça, vous pourrez le voir, d'accord? La catégorie, tout ça, on va le voir, d'accord? Et en plus, j'ai fait un tuto il y a pas longtemps que je vous mettrai pour optimiser avec ChatGPT. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le but de la formation, c'est comment utiliser Shopify pour 2024, d'accord? Donc, une fois que vous êtes ici, pour le produit, on va commencer, d'accord? Pour ce faire, donc on va lui trouver un titre, on va partir sur, d'où le nom Wellness Crew, on va partir sur de la cosmétique, ok? C'est une boutique qui va être faite sur la cosmétique. Donc là, par exemple, je vais mettre, par exemple, crème anti-âge, par exemple, ok? Parce que ça, je sais que les femmes aiment beaucoup les crèmes anti-âge, donc on va partir dessus. Une fois qu'on est là, ben, la descriptif, moi, j'ai pas trop d'idées, d'accord? Parce que c'est une crème anti-âge, mais j'aimerais que j'ai quand même un texte pertinent qui envoie quand même où il y a de la persuasion, des choses comme ça. Donc, on va aller ici,
OK, sur Google à nouveau, sauf que cette fois on va aller sur ChatGPT. Donc si vous n'avez pas de compte sur ChatGPT, pareil, je vous mettrai en haut à droite ou à gauche, je vous mettrai en la vidéo en lien, d'accord, vous l'avez aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc en fait, si vous voulez, vous allez aller taper ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, ChatGPT est une IA en fait qui nous permet d'automatiser beaucoup de choses et qui nous permet aussi de créer beaucoup de contenu, grâce à l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en descriptif. Donc, vous cliquez là-dessus et après, vous créerez votre compte. Donc, je vais le refaire parce que moi, j'ai déjà mon compte interconnecté. Donc, en fait, vous allez aller sur, vous taperez ChatGPT ou OpenAI. Et en fait, ce qui va se passer, si vous n'avez pas de compte, automatiquement, quand vous allez arriver, vous allez avoir cette vision-là. D'accord? C'est la vision que vous aurez ça. OK? Quand vous êtes ici, si vous avez un compte, vous vous loguez. Si vous n'avez pas de compte, ils vont vous dire sign up. OK? Donc, vous le faites. Moi, je vais me loguer. Hop, automatiquement, ça va m'envoyer. Vous voyez, ici. Hop, je me connecte ici avec mon compte. Voilà, SpeedEasyCom. Et là, je vais apparaître. Ils vont me demander ce que je veux. Je veux jouer à ChatGPT. Et là, j'apparais sur mon compte ChatGPT. D'accord? Moi, j'ai la version payante. Mais avec la version gratuite, vous pouvez faire aussi ce que je vais vous montrer. OK? Un outil qu'il vous faut, qui est indispensable quand vous êtes la version gratuite, si vous voulez faire quand même des bons rendus, c'est l'outil AIPRM, ok? AIPRM, c'est une extension Google Chrome qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle des prompts, ok? Un prompt, c'est quoi? Un prompt, c'est tout simplement... Attendez, je regarde juste, ouais. Un prompt, c'est tout simplement, en fait, ce qui va vous permettre de... Comment dire? La ligne de route. C'est comme si c'était le GPS pour demander au robot de faire ce qu'on attend de lui, d'accord? Par exemple, une création d'articles de blog, une création de pages produits, ce qu'on va lui demander là, une création de beaucoup de choses, de création de contenu pour LinkedIn, Instagram, Facebook, pour promouvoir notre business en marketing. Bref, vous pouvez même lui demander de faire un audit, on peut faire beaucoup de choses. Si vous vous lancez et vous commencez à utiliser beaucoup ChatGPT, je vous conseille de passer sur la version payante, d'accord? La version gratuite est sympa, d'accord? Vous pouvez tester avec la version gratuite, la 3.5, mais malheureusement, vous n'aurez pas accès au plugin et il n'est pas connecté à Internet pour être à jour à 2023. Si c'est pour lui demander de la création de contenu basique, comme une rédaction de pages produits, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, il va pouvoir vous le faire. Maintenant, si vous commencez à lui demander d'aller chercher des informations ou de lui faire, par exemple, les dernières tendances pour 2024 de marketing, le problème, c'est comme il va être bloqué à 2021 ou 2022, les stratégies marketing qu'il va vous donner, ben, elles vont être obsolètes, d'accord? Donc, aucun intérêt, ok? Donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est tout simplement, ben, en fait, comme vous le voyez ici, ben, sur mon écran, ben, c'est qu'en gros, quand vous avez les plugins, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si je veux faire un audit, si je veux faire un CV ou des fichiers CSV, exporter, faire du SEO, voilà. En faisant de ce que je veux faire, je peux avoir des plugins. Pareil, dans ma vidéo, j'explique comment les connecter. Quand vous voulez mettre les plugins, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur votre compte ici à gauche et faire settings et bêta, d'accord? Et quand vous êtes ici, vous refaites bêta feature et là, vous connectez les plugins. OK? Mais si vous êtes en version payante, vous avez aussi la possibilité de passer directement à ChatGPT 4. D'accord? Et quand je vais dessus, la possibilité de ChatGPT 4, c'est que par exemple, vous voyez en bas là, je peux même glisser un fichier et je peux lui dire de me retranscrire ce qu'il y a sur le fichier ou de m'en créer un. D'accord? Ce qui n'est pas le cas quand je suis en 3.5. Vous voyez? Ça n'existe pas, ça disparaît. On peut pas mettre de photos, on peut pas mettre de vidéos, on peut rien mettre. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en ChatGPT 4. Vous voyez? Je peux mettre des vidéos, je peux mettre des photos ou des PDF, je mets ce que je veux dessus. D'accord? Donc c'est vraiment pas mal. Moi je vous conseille, c'est vraiment un investissement intelligent, surtout si vous vous lancez en e-commerce. C'est vrai que ça fait un coût supplémentaire quand vous avez déjà payé l'abonnement à 39€, il y a les 20€. Après il y a Canva, je vous conseille de prendre Canva parce que c'est 11,99€. Mais je vous mettrai un lien où pendant un mois vous l'aurez gratuit. D'accord? Mais concrètement, c'est des choses qui vont vous permettre de développer votre business et d'aller à un autre niveau. D'arrêter d'être des amateurs et plutôt des professionnels. D'accord? Donc, une fois qu'on est ici et que vous avez pris AIPRM, on part du principe que vous avez AIPRM. D'accord? Que vous soyez en gratuit, en payant, ça fonctionne. Ok? Donc, moi, ici, je vais taper product. D'accord? Product pour produit. Ok? Pour ceux qui ne sont pas bilingues, pas de panique. Vous faites tout simplement clic droit. Si vous êtes sur Google Chrome, comme je vous l'ai dit depuis le départ, vous faites traduire en français. Vous voyez? Et ça me l'a traduit en français et ça me dit ce que c'est. Là, c'est le SEO e-commerce, générer des descriptions de produits attrayantes. Il va tout me faire. Meilleur ciblage d'audience, générer des e-books non. Nom de produit attrayant, une description de produit unique. Vous voyez? Je peux prendre celui-ci. Moi, d'habitude, je prends toujours le premier, là,
qui est très très bien, c'est le plus utilisé, vous voyez, plus de 545 000 fois. Là concrètement, on va tester un nouveau là qui est là, mais qui a l'air pas mal parce qu'il a plus de 60 000, 48 000 commentaires, et l'autre il a combien? Ouais, 400 000 quand même. Donc bon, on va tester celui-là quand même pour voir ce qu'il vaut, voir si ça vaut le nom le ou pas. Donc on va cliquer dessus. Là, il me dit d'entrer une description, des informations sur votre produit, d'accord? Donc je vais mettre une crème anti-âge pour femmes. Voilà, je vais lui mettre que existe en trois tailles. Les tailles en question, je vais dire que c'était, il y a du 250 millilitres, il y a 450 ml, on va mettre 4, 850 ml et 1 litre. Et au lieu de 3, je vais mettre 4 tailles. 4 tailles. Et on peut mettre que... Après, vous pouvez rajouter par exemple des systèmes de livraison. Livraison express en France ou... on peut mettre livraison. Bon, là, c'est une livraison express pour l'Europe. Voilà, par exemple. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Il faut avoir, on va dire qu'il faut avoir, faut être majeur, dans le sens où moi j'ai pas envie que la crème, il y ait des enfants qui la touchent, d'accord? Donc je vais mettre ne pas laisser, voilà, on va mettre une sécurité quand même, ne pas laisser à portée des enfants de moins de 14 ans. Voilà. Hop. Et là, en fait, j'envoie. Ok, et là vous avez le robot qui va bosser. Par défaut, ça peut arriver que le robot déconne. Ok, ça, comme là par exemple. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il déconne pas vraiment. C'est juste que des fois il y a trop de monde sur le serveur, parce que ChatGPT c'est des millions d'utilisateurs par jour. Là il est 11h37, on est le 20 janvier 2024. Concrètement, s'il faut ce matin, on est 1 million. Ok? Et ce qui se passe, c'est que ça bug. Et là, vous aviez un rond qui apparaissait au début. Maintenant, il y a une flèche comme ça. Là, ça veut dire qu'il a fini de bosser. Donc, si ça vous arrive, pas de panique. Vous avez juste à actualiser la page. Et comme par magie, bam, vous avez vu, mon texte est apparu. Ok? Donc, ici, vous avez mon descriptif produit. Redécouvrez votre jeunesse avec l'élixir jeunesse infini. Donc ça peut être un nom de titre. Notre crème anti-âge est conçue spécifiquement pour les femmes qui désirent retrouver une peau éclatante et rajeunie. Formulée avec des ingrédients de haute qualité, élixir jeunesse infini agit en profondeur pour réduire les signes visibles du vieillissement. Bon bref, vous avez vu, c'est pas mal. Ok? Pourquoi choisir Elixir Jeunesse? Donc, il m'a déjà fait le hook, voilà, le passage à l'action. Rajeunissement visible, hydratation intense, adaptée à tous les types de peau. Offrez-vous un luxe, machin. Vous voyez, il y a tout qui est fait avec l'appel à l'action et tout ça. Donc, le nom du produit, c'est Elixir Jeunesse Infini. D'accord? Crème anti-âge révolutionnaire pour femmes. Donc, ça veut dire ça. Je peux prendre ce truc-là, ce titre-là, l'ajouter par la suite à ma boutique. D'accord? Donc, je vais, elle est ici. Donc le nom, je vais le changer. Ok. Je vais le coller là. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris l'autre. Ce sera pour la meta title. Là, au niveau du texte, je récupère ça. D'accord? Donc description produit. Donc pas besoin de le remettre parce qu'il sera dans le site. Donc là, on va là. Hop. Je copie tout. Une fois que je suis ici, je reviens ici. Hop. Je colle. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon site en place. Après, moi, ce que je voulais, c'était qu'il me garde les mots gras. Voilà. Vous voyez, c'est un cas sur deux. C'est soit vous faites coller pour copier l'identique, mais là, il m'a déjà mis les mots importants en gras. Après, j'aurais pu lui dire de me mettre aussi les mots-clés en gras, il me les aurait mis. D'accord? Les mots-clés, quand vous les mettez en gras, c'est plus pour une stratégie SEO, quand vous voulez qu'en fait, que Google puisse identifier quels sont les mots importants. D'accord? Ça, je peux lui demander, par exemple, crème anti-âge, c'en est un, deux mots-clés. Voilà, je peux mettre des liens aussi qui redirigent vers comment dire, un autre article de blog ou carrément une collection, d'accord? Mais ça sera pour autre chose. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va ajouter maintenant des images, ok? Normalement, je l'ai faite il y a pas longtemps, je l'ai fait il y a pas longtemps.
Tac, 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 tac. Et je l'ai pas sur cet ordi. Bon, c'est pas grave. On va le retélécharger. Donc, moi, ce que j'utilise pour faire mes produits, tout ça, moi, ce que j'utilise, c'est Canva. Honnêtement, Canva, pour faire des bonnes photos et tout. Vous avez des photos libres de droit que vous pouvez utiliser parce que vous avez la licence. Moi, je vous le conseille. Canva, pour moi, c'est le meilleur truc. Franchement, c'est un outil de dingue. Attendez, où est-ce que je l'avais? Tac, tac, tac. Format carré. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Ah, c'est là, il est là. Donc là-dessus, vous voyez, j'avais déjà fait le truc. Moi, j'ai voulu prendre des photos comme ça avec des avant-après. D'accord? Là, on va le faire pour l'exercice, hein, ok? Donc les avant-après, moi, je les aime plutôt bien, ces photos-là. Hop. Donc là, je vais rajouter des crèmes. Parce que là, j'ai beaucoup de ça, mais on va mettre des crèmes. Voilà. Voilà. On prend des photos avec des femmes qui se mettent la crème. On va mettre en format carré direct. On met des crèmes glacées, crème visage. Hop. Voilà. Crème visage, comme ça, je vais prendre des belles photos. Hop. Hop. Tac. Alors, ensuite. Bon, c'est juste pour faire mes produits. Là, j'accélère un peu, mais c'est juste pour que ça soit bien mis en place. Voilà. Un peu de diversité de couleurs, c'est très bien. C'est pour qu'on puisse identifier le maximum de personnes qui puissent identifier votre produit. Donc ça, pareil, je vous le conseille, hein, quand vous partez sur des niches comme celle-ci. Mettez des personnes de différentes couleurs de peau et d'âge. Parce qu'en fait, c'est pour indiquer que votre produit s'adapte à tout le monde. Ok? Donc, c'est primordial de faire ça. En tout cas, si vous voulez vendre, vraiment, il faut adapter votre marché. Vous mettez tout type de personnes. Pareil, si vous vendez des vêtements. Mais si vous voulez vendre à tout type de personnes, il faut mettre des personnes qui ont différentes tailles, différentes couleurs. Ça pourra vous aider. Et différents âges. Okay? Pour dire que votre marque s'adapte à tout le monde. Par contre, si c'est l'inverse, si vous voulez faire des trucs qui s'adaptent que à des peaux mates ou des peaux claires, bah là c'est différent. D'accord? Ça c'est vous qui voyez. Ok? Mais moi par défaut, le but d'un business c'est de vendre de partout. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Je vais prendre une dernière crème. J'en ai combien? 33. Ok. Télécharger. Là, vous ferez partager, télécharger. Et là, je veux le fichier. Je le veux en mode PNG. Et je veux tout. Après, c'est vrai que le mieux c'est JPEG, c'est plus léger. Mais bon, là, comme c'est un truc de démo test et qu'elle sera pas en ligne, je vais pas optimiser mes photos. Mais sinon, vous pouvez optimiser vos photos en le téléchargeant en JPEG, ça sera plus léger, d'accord? Et du coup, votre photo, votre site web sera également plus léger pour les téléchargements, ce qui est plutôt pas mal, parce que plus votre site est rapide, plus vous êtes mis en avant au niveau de votre référencement, d'accord? Ça joue aussi dans le référencement la vitesse d'un site internet. Ok? Donc, une fois que tout ça est fait, j'attends que ça s'actualise. Allez, allez. Donc, vous avez vu, hein, j'ai pris plein de photos sympas. Et c'est des photos que j'ai utilisées comme produit. Là, c'est juste pour vous montrer. Hop, fait aujourd'hui. Ok. Donc là, je retourne sur ma boutique. Ok. Je vais aller sur mettre en ligne un nouveau fichier. Je vais ici. Là, on va dire qu'on vend une petite crème. Donc, je vais mettre la crème en avant. Ça va être, par exemple, celui-là. On va prendre cette photo. On va faire un avant-après. Donc, on va prendre celle-là. Et ensuite, je vais prendre différentes peaux. Hop, je prends ça, ça. Voilà. Normalement, il faut minimum, moi, ce que je conseille, c'est minimum 3 photos et une vidéo. Donc, on va d'abord prendre ça. OK. Et en attendant qu'il me fasse ça, je vais vite aller ici. Et là, je vais me faire une petite vidéo en format carré tant que j'y suis. Donc là, pour une petite vidéo, c'est très simple. Hein. Vous allez sur ajouter une image. Et ici, vous allez dans vidéo. D'accord? Hop. Je vais enlever le format carré parce que du coup, je pense que elle sera pas en carré, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et là, je vais essayer de trouver une crème. Celle-là, elle est pas mal. On voit une crème, quelqu'un, on voit quelqu'un qui prend dans le pot et qui se le met sur le visage. C'est ça que je. Elle a la main. Voilà, elle a un pot. Tac.
Voilà, ça c'est pas mal. Et je vais prendre d'autres vidéos. Est-ce qu'elle touche au pot ou pas? Parce qu'elle se met de la crème, mais je veux vraiment quelqu'un qui touche au pot. Voilà, elle. Définir. Ok. Elle. Ouais, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui a un arrière-plan un peu plus stylé quand même. Comme elle, un truc neutre. Ouais, elle. Et voilà. Et ce qui va se passer. Oh là, on dirait qu'elle est shootée. ok. Et là, ce que je vais, moi, c'est trop long. Donc, du coup, je vais accélérer la lecture. Hop. Et là, même 15 secondes, c'est un peu trop long pour une vidéo. Donc, on va raccourcir ici. Et je vais raccourcir ici. Voilà. Là, pareil, je vais l'accélérer. On va doubler la lecture. Voilà. Ici, pareil, lecture, je vais la doubler. Putain, même en accéléré, elle accélère pas, quoi. On va garder ça et on va réduire à 9 secondes. Elle ici, 30 secondes, on va la doubler. Hop. Et ici, on va réduire là. Voilà. Donc là, j'ai 4 vidéos que je vais prendre en bas. Hop. Donc ici, petite nuance, quand vous allez télécharger, ici vous êtes en vidéo, vous choisissez celle qui vous intéresse. Donc là, j'ai la 34, donc je vais descendre jusqu'à 34. Et là, je prends les 4 vidéos qui sont là. Ok? Je fais télécharger. Par contre, attention, moi ce que je veux, c'est pas que ça me fasse une vidéo à la suite. Si vous faites pas gaffe, là, ça va me faire les quatre alignés comme si c'était une vidéo à la suite. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles se téléchargent individuellement. Comme ça, je peux les mettre sur quatre produits différents. Là, je fais télécharger, ok? Et là, les vidéos vont se télécharger dans un fichier et elles vont être totalement différentes, d'accord? Donc, le temps que ça se fasse, on va retourner sur notre écran au niveau de Shopify. Donc voilà, vous voyez, mes produits se sont mis en place. Meilleure façon de montrer, j'aime bien mettre la photo de produit qui est ici et en second plan, un avant-après, un visage, voilà, pour changer. Donc ça fait un peu de couleur et on est pas mal, d'accord? Là, vous enregistrez toujours, d'accord? Faites-le assez régulièrement pour éviter que quand vous êtes en train de manipuler, ça saute, d'accord? Donc là, ça c'est en place, ok? Maintenant, on va choisir un prix. Donc, on va dire que cette crème, allez, je sais pas combien ça coûte en général parce que j'en mets pas forcément. Donc, je veux dire que c'est 29 euros le pot parce que c'est vraiment un anti-âge. Et on va dire que le prix normal de base, il est à 45 euros. Et ce qui va se passer, c'est que là, ça va créer en fait comme si c'était une remise automatisée en mode normalement c'est 45 euros, mais là, ce sera 29. OK? Et vous aurez un prix barré qui apparaîtra. OK? Ici, une fois que vous êtes là, vous pouvez choisir pour les stocks. OK? Vous pouvez plusieurs emplacements si vous voulez en fonction de vos stocks où est-ce que ça apparaisse. Donc là par exemple ils me disent qu'il n'y en a pas parce que j'ai pas mis de stock. Le SKU c'est le code barre, ok, que vous devez mettre, c'est unité de gestion des stocks. Si vous faites du dropshipping, donc vous faites du dropshipping, ça vous n'aurez pas besoin de le remplir, AliExpress vous le donnera automatiquement, d'accord. Le SKU c'est ce que vous avez besoin si vous voulez vendre, c'est un peu comme le code barre. Ok, mais après c'est à vous de le créer. Hein. Si c'est vous qui créez votre site web, si c'est vous qui créez vos produits, vous mettez le SKU que vous voulez. D'accord? Si c'est pas vous qui le faites et que vous passez par un fournisseur, si vous faites du dropshipping à l'ancienne, c'est-à-dire avec AliExpress connecté via une application, vous aurez votre code barre qui sera déjà généré, donc pas besoin de le faire. Si vous passez par une société externe, genre une boîte de Paris qui a un grossiste de Paris, ben en fait s'il a un site web, il aura sûrement ce qu'on appelle une clé API. D'accord? L'API fait que, en gros, si vous avez une clé API, ce qui permet à quelqu'un de se connecter à votre site internet pour qu'il puisse, en fait, quand quelqu'un commande sur votre site, ça lui envoie comme quoi il a reçu comment ça s'appelle, une commande et qu'en fait, ça lui l'a traité et de l'envoyer. D'accord? Ça permet d'automatiser, en fait, votre site web. OK? Ici, on a les stocks. Vous voyez, il y a écrit 0. Ben là, moi, je vais dire qu'il y en a 45. OK? Et je fais enregistrer et ça me dit disponible et à disposition, j'ai 45 produits. Ok, mais vous vous souvenez, je vous ai dit au niveau du produit qu'il y allait avoir différentes tailles. Ok, donc moi quand je suis ici, je vois qu'il n'y a pas de variante. Ok, il n'y a aucune variante. Donc on va en ajouter. On va cliquer ici en bas sur variante et on va mettre taille. Donc on a dit qu'il y avait le 250 ml. Ensuite on a dit qu'il y avait le 450 ml, 850 ml et le 1 litre. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait terminer et bam, regardez. Ça, les variantes se sont créées d'elles-mêmes. Par contre, vous voyez ici, il y a écrit 0 en stock, 0 en stock, 0 en stock. Par contre, celui-là 45, parce que c'est le premier qu'on a créé. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, ok? Ce que vous allez à faire, attendez, parce que je vois que mon.
C'est bon, je suis reconnecté. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous êtes ici, on va tout simplement enregistrer avant, d'accord ? Parce que sinon, on va sortir de l'écran. Vous enregistrez d'abord. Une fois qu'on est ici, vous cliquez sur les trois variantes en question et vous faites modifier en bloc, ok ? Quand vous faites modifier en bloc, ce qui va se passer, c'est que là, je peux changer les prix des trois si j'ai envie. Bien évidemment, comme les trois sont différents, ok, je peux dire qu'ici, le prix de celui-ci, par exemple, on est, l'autre est à 29 euros. Donc celui-là, je vais le mettre à 39. Le 850, on va le mettre à 49. Et celui-là, on va le mettre à 59, ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, en fait, au niveau des stocks, j'en ai pas. Donc là, vous avez vu, j'ai rentré à la main un par un. Maintenant, si j'avais, admettons, ici, dans les shops, j'avais, admettons, 20 000 variantes, je peux aller ici, d'accord, dire que, ben voilà, j'en ai 45 de stock, mais je veux que ce soit pour tout. Donc du coup, j'ai juste à prendre le petit carré bleu ici, comme sur Excel, hop, et je fais glisser. Vous avez vu? Et il y a tout qui s'est mis en place. Voilà, tout qui s'est mis en place. Et là, je fais enregistrer. Ok. Maintenant, je vois qu'il manque une colonne parce qu'on est d'accord. Là, j'ai mis le prix, mais il n'y a pas le prix avant remise comme l'autre. Donc là, je vais faire ajouter une colonne, d'accord. Et je vais juste ajouter prix avant réduction. Ok. Vous voyez. Comme ça, ça m'évite qu'il me le laisse à 45 euros parce que si je dis qu'il est à 39,45, ça peut aller. Maintenant, le problème, c'est que si le petit pot, j'ai mis à 45 euros, j'ai fait une promo à 19 ou 29, c'est pas cohérent. Donc ici, si vous voulez, je peux mettre. Vous mettez le prix que vous voulez. Après, hein, c'est vous qui vendez. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Et celui-là, il est à 89, par exemple. OK ? Et là, je fais enregistrer. D'accord ? Une fois que vous avez enregistré là, on sort de là. OK ? Et là, on a nos produits avec nos variantes et avec les prix différents. OK ? Si jamais maintenant, je veux attribuer, parce que, admettons, vous avez plusieurs tailles, vous êtes censé avoir plusieurs pots. Bon, moi, pour l'exercice, j'ai pas 10 000 pots, j'en ai qu'un qui est là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous cliquez ici. D'accord ? Donc, pour l'exercice, j'ai juste le dernier, je vais le changer. Donc, on va dire que le premier, c'est celui-là, le pot. OK ? Le deuxième, pareil, parce que j'en ai que trois. Le quatrième, celui-là qui est un peu plus gros, on va dire que c'est celui-là. D'accord ? Et le 1 litre, on va dire que c'est celui-là. D'accord ? Il y a celui-là, plus tout à côté. OK ? Et là, ça veut dire que par rapport à mes variantes, en fonction de ce que je vais choisir dans mon catalogue, dans mon produit, les photos vont arriver au fur et à mesure. D'accord ? Donc là, je vais enregistrer. OK ? Et là, on va aller voir ce que ça donne sur le site web. En sachant que le site web n'est pas totalement optimisé, même si là, moi, je l'ai effacé. Donc, ça sera quand même optimisé par rapport à ce que j'avais fait avant, mais je vais vous montrer. D'accord ? Là, je vais aller dans « Voir l'aperçu ». OK ? Et on voit que c'est quand même pas mal. Ok, mon produit est là, c'est pas mal. Moi, il y a ma FAQ parce que moi, j'avais déjà développé ça, mais je vous montrerai vraiment en détail. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, peut-être que la vidéo va durer ultra longtemps, mais c'est vraiment pour vous montrer de A à Z comment faire un site e-commerce et l'optimiser à fond. D'accord ? Donc ici, il y a ma page produit, vous voyez, elle est plutôt sympa. Et ici, si jamais je veux changer mes variantes, d'accord ? Ben, je vais aller là, je dis non, mais moi, je veux le 850, vous voyez, la photo, elle change. Je veux le 1 litre, bam, la photo, elle change, ok ? Les quantités, par exemple, si je veux en mettre 60, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire ajouter au panier, ben, on me dira, c'est pas possible, d'accord ? Parce que le maximum, c'est 45. Donc, par contre, si je veux en faire 35, ok ? Et là, je fais ajouter au panier, j'ai aucun problème, j'ai les 35 dans le panier, d'accord ? Voilà, vous voyez, ça, c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez fait ça, ok ? Une fois que vous avez fait ça, moi, je vais vous montrer un truc sympa pour encore plus customiser et que ça soit encore plus poussé. Vous pouvez mettre, faut savoir que vous pouvez mettre des images ici sur votre produit. Faut mettre des images ainsi que des vidéos, ok ? Et vous pouvez mettre aussi des vidéos ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, quand vous êtes dans votre page produit ici, d'accord ? Si vous voulez mettre, admettons, une photo, admettons, on va mettre une photo tout en haut, ici, là, ok ? Si je veux mettre une photo, vous avez vu ? Ici, vous avez une photo qui existe. Insérer une image. OK ? Donc ça, ces boutons-là, c'est que je ne vous ai pas présenté. Donc ce bouton-là, je ne vous le conseille pas. C'est pour générer du texte avec une IA. Honnêtement, il n'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je vous conseille ChatGPT, il est largement au-dessus. D'accord ? Les paragraphes, c'est là où vous allez choisir si c'est des titres 1, 2, 3. C'est ce qui permet de hiérarchiser votre site internet pour en fait, tout simplement pour que le Google passe dessus, il puisse le hiérarchiser. D'accord ? Savoir comment est votre site, quel est le titre, le sous-titre, quelles sont les métadonnées. Voilà, c'est fait pour ça. Là, c'est pour le mettre en gras. Là, c'est pour mettre en italique. Là, c'est pour le souligner.
Là, c'est pour changer la couleur du texte, d'accord? Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez. Mettre à droite, à gauche ou au centre, d'accord? Tout pareil. Là, c'est pour mettre une photo et là, c'est une vidéo. Et là, c'est du code, mais ça, vous y touchez pas, ok? Là, il y a encore d'autres choses si vous voulez mettre des petits points et tout ça. Mais ça, je vous le conseille pas, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez mettre des images, vous cliquez ici sur « Insérer une image » et là, il va venir voir ce que vous voulez mettre. Ben, par exemple, je vais mettre « Elle », ok? Je fais « Insérer ». La photo, elle est là. Si je veux l'agrandir, je clique dessus. Je prends le petit truc qui est ici. Hop. Et je l'agrandis. Et quand je vais enregistrer. Regardez, je vais enregistrer. Je vais aller faire voir l'aperçu. Voilà. Et quand je vais être ici, vous voyez, hop. Ça fait joli. Vous voyez, vous avez la petite photo. Ça peut être sympa. D'accord? Cette photo-là, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez. Ok? Là, je l'ai mis en haut parce que j'aime bien. Mais vous pouvez mettre où vous voulez. Après, je vais rajouter maintenant, pareil. On peut faire à mi-parcours. On va mettre ici. On va mettre une vidéo. Pour insérer une vidéo, il y a une petite technique. Okay, pour la vidéo, si vous voulez, il faut mettre en fait un code qui s'appelle iframe. Okay, l'iframe, c'est quoi? C'est du code. Donc, vous, pour vous, ça peut paraître du chinois, mais je vais vous montrer. Si par exemple, je vais aller sur YouTube, okay, je vais aller sur ma chaîne. On va faire pour la démonstration. Afficher votre chaîne. Okay, je vais sur ma chaîne, je vais prendre une vidéo. Bah, par exemple, une vidéo, vous voyez, j'ai fait un truc sur faire la page produit ChatGPT. Ce sera l'occasion. Donc, je vais aller dessus. Hop. En haut, ici, il y a écrit partager. OK. Quand je vais aller ici pour partager, vous avez un code ici qui s'appelle intégrer. D'accord? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, quand je vais aller ici sur partager, je vais cliquer sur intégrer. Et là, vous avez vu, il y a un code qui s'appelle le code iframe. Donc, vous copiez-collez ça. Après, vous avez le bouton coller, copier qui est juste là. Hein, mais vous cliquez dessus, ça vous le copie. Vous fermez ça. Vous retournez sur Shopify. Donc, juste fermer ça parce que ça me fait 10 000 pages. Vous allez retourner ici. Et là, en fait, vous allez faire insérer une vidéo. Vous collez le code iframe. Et là, bam, vous faites insérer la vidéo. Et regardez, la vidéo, elle est en place. OK? Là, j'enregistre. OK? Là, je vais faire voir l'aperçu. Hop. Et vous voyez, il y a la vidéo qui est ici. Vous cliquez dessus, elle s'enclenche. À savoir que pour la vidéo, OK, vous l'avez ici. Et vous pouvez faire beaucoup de modifications. D'accord? Bon, là, elle y est, mais c'est pour vous montrer la vidéo. Vous pouvez faire en sorte qu'elle puisse s'auto-lancer. Donc là, je vous ai montré comment ajouter photo et vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter, c'est très simple, une vidéo également dans votre support, c'est-à-dire ici. D'accord? Là, la vidéo, elle est là à droite. Vous pouvez la mettre au fond où vous voulez. Hein. Et là, je vais la rajouter ici dans ma page produit au niveau du carrousel. OK? Je vais aller ici, je vais faire ajouter. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait télécharger. Il est ouf. Attendez, il faut que je l'ouvre. On va annuler ça. Je vais d'abord l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouverte. Le zip 1, c'est celui-là. Voilà, là, il y a les vidéos. OK, donc je reviens ici. Je vais dans téléchargement. Je prends là les quatre éléments. Et là, je vais choisir celle-là, par exemple. Je fais ouvrir. Et la vidéo, elle va se mettre en place. D'accord? Comme la vidéo va se mettre en place, là, concrètement, vous allez avoir la possibilité de choisir de mettre une vidéo en avant, soit ici directement. Ça, c'est vous que ça regarde. Donc, les gens voient que c'est une pommade. Le produit plaît, ils vont le prendre. D'accord? Et après, en quel cas, vous la mettez en second. Ça, c'est vous qui voyez. J'attends juste que ça s'actualise. En attendant que ça s'actualise, allez, c'est bon, elle y est. Maintenant qu'elle y est, si je revais maintenant sur voir la boutique, voir l'aperçu, je vais dessus, vous voyez, la vidéo, elle y est. Elle est juste là. OK, je clique dessus et j'ai ma vidéo. Vous voyez, c'est carré quand même. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est proposé, vous voyez quelqu'un qui le met, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça fait plus vente qu'une photo figée. Après, si vous avez de belles photos, il n'y a pas de problème. De belles photos, ça match aussi. Vous avez vu, si vous allez sur cette photo-là ou si je vais ici, avec le avant-après par rapport à ce qu'on met, c'est pas mal non plus. D'accord? Et après, si vous voulez mettre la vidéo en avant, tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici, faire glisser, la mettre là en avant. D'accord? Et là, au niveau du support, si je vais ici, parce que je sais pas s'il va forcément le mettre en avant ou pas sur le site, parce que par défaut, c'est les photos. Donc, vous voyez, il me l'a juste mis en second. D'accord? Il met la photo en premier pour le système, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas lui qui se met en place. Mais sur des thèmes payants, vous pouvez l'avoir en premier. D'accord? Mais là, voilà. Là, vous avez ça qui est en place. La vidéo est liée. On clique dessus. On peut voir comment le produit s'applique. On peut voir le résultat si on fait un avant-après, des choses comme ça. D'accord?
Donc voilà pour la page produit, d'accord? Mais on n'a pas terminé. Là, on a fait ça pour une page, ok? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est modifier ici ce qu'on appelle le référencement sur les moteurs de recherche, ok? Donc sur le moteur de recherche, le truc, on va pas laisser Elixir Jeunesse infini. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est soit je reprends le titre que j'ai trouvé plutôt sympa, Elixir Jeunesse infini, crème anti-âge révolutionnaire pour femmes, par exemple, je trouve ça pas mal. Donc je peux le réutiliser ici. Il est où? Il est là. Et là, je fais modifier et je le modifie. Hop. Voilà. Et c'est ce qui apparaîtra sur Google. Ok. Maintenant, par contre, j'aime pas mon texte. Donc là, je vais lui demander le texte en dessous. Je vais dire merci. Pourrais-tu me faire le meta title ainsi que la meta description? Fais-moi une optimisation SEO de tout ça. Voilà. Et là, il va me le faire. D'accord ? Donc, j'attends. Meta title. Donc, il m'a dit taille disponible, livraison express. Bon, bref, ça, je vais pas le mettre. Donc, il m'a repris le titre. Donc, c'est bon, c'est ce que j'ai mis. Là, la meta description, donc, pour Google, il me dit découvrez. Voilà, Elixir Jeunesse, tac, tac, tac. Et là, il m'explique pourquoi ces éléments sont optimisés. Donc là, je prends ça parce qu'il y a un appel à l'action, je trouve sympa. Et à la place du gros texte qui est en place par défaut, d'accord, moi, je vais virer ça parce que vous voyez, ça, ce qui apparaît sur Google. Ben, on va mettre un texte un peu plus engageant. Et là, je fais coller. Et là, vous avez tout le texte qui apparaît. Il n'est pas coupé à mi-chemin, d'accord. Et là, j'enregistre. Et là, du coup, ça veut dire que sur ma page produit, ça s'appellera Elixir Jeunesse Infini. Ok, donc là, c'est nickel. Et il y a mon descriptif avec la page produit et tout ça. Par contre, derrière, quand il sera sur Google, il apparaîtra sur Elixir Jeunesse Infini, crème anti-âge révolutionnaire pour femmes. D'accord ? Et après, avec un petit laus derrière, découvrez Elixir Jeunesse Infini, la crème anti-âge révolutionnaire pour femmes, choisissez parmi 4 tailles et bénéficiez d'une livraison express en Europe, formule avancée pour une peau rajeunie et hydratée, commandez maintenant pour un éclat de jeunesse durable. Vous voyez, c'est pas mal ce qu'il m'a déjà fait. Et vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est le robot qui l'a fait. D'accord ? Donc, quand on en arrive là, maintenant, on va optimiser autre chose, ok ? On va dire ici, ok, c'est quoi comme type de produit ? Le type de produit, on va dire que c'est une crème, ok ? Le fournisseur, c'est qui ? C'est Wellness Crew, ok ? Donc, c'est ma boîte. Maintenant, les balises. En balise, on va faire quoi ? Des balises, c'est quand vous êtes sur WordPress, WooCommerce et tout ça, les balises, en fait, c'est les tags, ok ? Par exemple, quand vous allez sur un site internet, vous allez sur Nike, par exemple, et quand vous allez aller sur le truc recherche, vous tapez chaussures, Air Force, Jordan et tout ça, vous tromberez. Donc, pour ceux qui regardent ma vidéo et qui savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Comme ça, on dit souvent que c'est plus simple. Donc, si je vais sur Nike, par exemple, comme je viens de vous le dire, ok, je vais aller sur Nike.com. Jusque là, pas de problème. On va voir. Oh, il y a des promos. J'irai voir plus tard. Du coup, si vous avez vu, il y a écrit recherche. Ok, là dans la recherche, je vais ici. Si je tape chaussures, vous voyez, on va me proposer des chaussures. D'accord. Donc c'est ça que je veux dire. C'est que les balises ou les tags, c'est ça. Ça veut dire que quand je vais sur ma boutique, ben là je vais taguer ça comme quoi c'est des crèmes. Voilà, crème. Après je vais dire c'est crème anti-âge. Après n'hésitez pas à faire des fautes parce que des fois les gens tapent vite. D'accord. Et au moins, quand ça tapera, votre produit sortira. Je sais, c'est contre-intuitif, mais faut pas oublier que vous avez des êtres humains en face et des fois, des gens pressés. Ils peuvent taper crème, ils font pas gaffe, ils tapent K au lieu de C. Voilà, c'est pas grave. Ok. Pommade. Voilà, on va faire les deux. Voilà. Pommade, pommade. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord. Rajeunir. Rajeunissant. Rajeunir. Alors les gens qui tapent ces mots-clés, au moins, ça leur propose directement la crème. Ok ? Une fois que c'est fait, ici, vous faites enregistrer. Ok ? Donc, je vous mettrai la vidéo, mais en fait, si on pousse plus loin, vous avez la possibilité de customiser les pages. Donc, si je veux que ce soit une page bien spécifique pour les crèmes, pour les cils, les pommades et tout ça, je peux faire des pages bien spécifiques par thématique, d'accord ? Mais là, c'est vraiment quand vous voulez pousser votre site web sur une optimisation totale, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, je vais sûrement le montrer dans la vidéo, mais peut-être que je couperai et je laisserai ça pour la formation, parce qu'il y a une formation en ligne qui va arriver. Donc, ce sera peut-être pour ça, mais donc on verra, d'accord ? Mais déjà, avec ça, vous avez déjà de quoi faire, ok ? Une fois que c'est fait, je vais quand même aller vérifier mon aperçu, voir si ça me plaît.
Voyons. Donc le visuel est sympa. Le produit, il est là. Hop, j'ai mes infos. Ok, nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller ici. Ok, je vais sortir. Maintenant, j'ai qu'un produit. Ok, moi je vous ai dit que je voulais plusieurs produits. Donc soit je dis que j'ai plusieurs pommades rajeunissantes, parce que le but c'est de créer après des collections où ils sont dedans. Donc on va partir du principe que on va faire ça. Donc il y a plusieurs solutions. Soit je refais ajouter un produit. Ok. Soit quand je pars ici, je sais pas si vous avez fait gaffe sur votre produit. Ici, il y a écrit dupliquer. Donc ça veut dire que si je pars sur la même base, mais que il y a élixir jeunesse et elle a pas, après je prends crème jeunesse ou n'importe quoi, je peux tout réécrire. D'accord? Je fais dupliquer ici. On dit ben voilà, tu vas dupliquer avec les images. On va mettre juste la quantité de stock. Ok. Et on va la définir comme active directement. Et le truc, on va l'appeler pas élixir, on va l'appeler élixir jeunesse infini plus. D'accord? Donc là, je n'ai pas trop cherché. Les images, on va en télécharger d'autres pour faire un peu que ça change. D'accord? Et là, je fais dupliquer le produit. D'accord? Et là, vous allez voir. Regarde, là, il y a le élixir infini jeunesse plus. Il n'y a aucune photo parce que là, on va les attribuer. Les prix sont restés identiques. Mais par contre, je vais arriver ici. D'accord? Et là, comme j'ai pris plein de photos, on va en coller d'autres. D'accord? C'est vraiment pour le fun. On va prendre celle-là. On va prendre, vu qu'on a pris elle et elle, on va prendre elle et elle. Et après, je vais mettre. J'ai pas d'autres crèmes, mais on va prendre ça. On va prendre ça. J'ai mis quoi? Elle, 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 elle. Et on va prendre elle. Voilà. Et là, je fais ouvrir. Et là, bam, ça apparaît. Une fois que ça apparaît, je vais mettre une autre vidéo également, parce que j'en ai pris 4. Donc, on va faire ça pour les 4 produits. OK. Et pareil, une fois que vous avez dupliqué le truc, ici, je vais ajouter la petite vidéo. Voilà. OK. Et ensuite, ici, je vais ajouter ça. Voilà. Hop. Donc là, je vous ai montré comment dupliquer et comment récupérer les choses. D'accord? Donc là, ça a été dupliqué, c'est resté tel quel. Il y a la vidéo ici, élixir, hop, infini. J'ai juste rajouté le plus parce que c'est une autre marque. Voilà. Et là, j'enregistre. OK? Et là, pareil, quand je vais aller faire voir l'aperçu. Ben, comme il y a les mêmes bases, donc il y aura la même photo ici, mais les photos ici, elles sont changées. Et la vidéo, vous voyez, elle est différente. D'accord? Et voilà. Donc là, je vous ai montré comment dupliquer ça. D'accord? Donc, je vais vous laisser. Je vais faire les autres produits. Comme ça vous évite de galérer. OK? Je vais pas vous faire tous les produits comme ça en un, ça va prendre du temps. Donc, j'accélérerai ce passage. OK? A few moments later. Voilà, donc là j'ai créé mes 8 produits, donc voilà. Donc, de toute façon, ce sera accéléré, ça a été accéléré. Donc là j'ai mes 8 produits, après je les ai pas catégorisés, mais j'aurais pu, c'est des huiles, j'avoue que je l'ai oublié de le faire, mais ça c'est pas grave, on peut le faire après. D'accord, je peux cliquer là-dessus tout simplement. Hop, je fais modifier en bloc. Et en fait, je choisis une colonne qui était le type de produit, ici. Voilà, tout simplement. Et ici, en type de produit, ben, je mets tout simplement que c'est des huiles. Et en fait, ici, comme sur un fichier Excel, hop, on fait glisser, hop, une fois qu'on a cela, vous avez vu, ça nous a mis huile partout. Okay?
Et une fois que c'est bon ici, vous faites enregistrer. C'est pareil pour les balises. Quand vous faites des balises, c'est la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, vous rajoutez une colonne, vous mettez les balises, bam, et si c'est la même catégorie, vous mettez vos balises, ce sera partout les mêmes. OK? Vous prenez le premier, vous mettez toutes les balises que vous voulez, vous faites suivant, et bam, ça balance dessus. OK? Allez, je retourne en arrière. Donc là, on a créé les produits, ok? Là, je vous ai créé des produits à la mode, à la mano, d'accord? Je le fais à la main, si c'était vous qui créez les produits. Maintenant, si on part du principe que vous pouvez faire aussi des produits, les mettre via Deezer également, pour ce faire, il vous faut une application, une extension qui s'appelle Deezer, d'accord? Donc, on va le voir ensemble de suite. Donc là, maintenant, on va voir les collections. Donc, on va faire des collections. Donc, les collections, c'est ici. Une fois que vous êtes ici, vous avez vu, il n'y a aucune collection, parce que j'ai supprimé celle que j'avais avant, pour faire vraiment le tuto complet. Donc là, pour créer une collection, rien de plus simple, vous cliquez ici sur collection, ok? Et là, vous mettez la collection en question. Donc là, on va mettre par exemple les crèmes, ok? Il faudra mettre aussi directement, vous mettez un descriptif, d'accord? À savoir qu'avant c'était en automatisé, maintenant c'est en manuel parce qu'ils ont vu que le manuel était beaucoup mieux. Parce qu'en fait c'est à vous de choisir les produits que vous allez mettre dedans. Et c'est-à-dire qu'en automatique ça va dépendre des tags que vous mettez. La plupart du temps les gens ne mettaient pas forcément des tags. Et ce qui se passait c'est que par la suite les produits étaient mal référencés. D'accord? Je vous conseille d'ajouter aussi une image qui présentera la collection. Donc là si je mets les crèmes, bah forcément je vais mettre une crème en valeur. On va mettre par exemple ouais, celle-là. Tac, je compte ma grosse tête ici, voilà. Ok, donc ça sera la photo de la collection. Et après, si j'ai pas d'idée, ben, on va voir notre ami ChatGPT. On va voir s'il a déjà fait un truc ici par rapport aux collections produits. Est-ce qu'il a déjà fait des trucs produits de collection? On va tester celui-là. Jamais testé. Alors, on va mettre crème. Peau et anti-âge. Et on va mettre le mot collection pour qu'ils le mettent. On va voir ce qu'il sort. Soit j'ai jamais utilisé ce prompt, donc c'est. On va voir ce que ça vaut. Bah c'est très bien. Il est très très bien. Plongé dans l'univers de la collection. Ok, il me met le H1. Crème de beauté luxueuse, donc c'est le titre. Il me met les mots-clés qu'on peut mettre dans le texte en plus. Il met la méta-description et le méta-title pour Google. Bah, c'est très bien. Donc celui-ci, il est très bien. Ok, hop. Hop. Allez, on va copier ça. Au niveau de la collection, il est où? Il est ici. Hop, je colle. Voilà. On va mettre un peu d'espace histoire d'aérer un peu la chose. Voilà. Et là, le texte, on va essayer de le centrer. On va tout centrer. Hop. Voilà. Espace. Espace. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire le meta title parce qu'il me l'a fait. Donc c'est cool. Hop. Dit crème incontournable pour une peau parfaite. Non, je vais mettre plutôt crème incontournable. Voilà, on va faire ça pas les 10, parce qu'il y en a plus de 10. Ok, une fois que je suis ici, pareil, je vais dans modifier en bas. Sinon dans vos pages, c'est en bas que vous aurez à chaque fois. Vous avez pareil pour les articles de blog, vous avez un peu pour tout. Là, vous faites coller, hop. Et là, maintenant, je vais prendre également la méta description. Donc, je vous rappelle que tout ça, c'est pour l'algorithme, pour le SEO. Donc la méta description est assez importante. J'ai oublié de vous dire que pour la page produit, pareil sur les photos, faut mettre les méta descriptions. Je reviendrai dessus par la suite. Et le titre qu'il m'a dit de mettre, un titre sympa pour un teint éclatant. Ouais, celui-là, solution anti-âge, la collection. Ou plutôt éclat et jeunesse, promesse de notre collection. Ça c'est pas mal. On va utiliser ça, hop. Ok, et là on enregistre. Ok, donc là c'est la collection, elle est basique. Je l'ai mis en manuel, ok, donc j'ai fait les crèmes. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais ajouter le produit, ok. Donc là, au niveau des produits, on a dit que les crèmes s'appelaient Elixir.
Donc je le change, c'est Elixir, je l'ajoute. Ok. Ça s'est ajouté facilement. Après, je vais voir afficher la collection, voir comment elle va apparaître. Donc voilà comment elle va apparaître, la collection. Donc c'est à moi après de recibler tout ça. Parce que là, ça fait un peu moche. Et là, vous avez les collections qui apparaissent. D'accord? Donc elles sont en promo, parce qu'on les a mis en promo. Mais elles apparaissent. Donc ça, la page collection, on va pouvoir la custom. Je le montrerai un peu plus tard. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'autre collection qui est les huiles. Voilà. Je vais dire de me faire pareil. Fais-moi la même chose avec ma collection huile essentielle naturelle bio et anti-âge. Hop, j'envoie ça. Il est en train de me le pondre. En attendant, je choisis la photo. Prendre celle-là. Voilà. On reste toujours en manuel. Là, il m'a pondu mon petit texte. Hop. Voilà. Copier. Je le colle là. Bon, cette façon, en vrai, après, je vais le changer. Donc, je fais là pour le style. Mais en vrai, on va changer tout ça. Ici, je repars là-dessus. Nature et beauté, nos huiles essentielles bio. Rajeunissez avec nos huiles essentielles et naturelles. Ça, c'est pas mal. Hop. Je vais dessus. Le titre, il est là. Ensuite, je vais prendre le meta title. Huile essentielle bio, machin, machin. Ok, on récupère ça. Attendez, hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ici je vais modifier en bas, voilà, hop, coller, et le meta title, hop, pareil, tac, et voilà, donc là j'ai mis mes descriptifs pour mes deux collections. Maintenant, je vais sélectionner mes produits, parce qu'une fois que vous avez fait enregistrer, automatiquement, vous allez là où il y a écrit produits, vous cliquez sur parcourir, et ensuite, je choisis mes huiles. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes deux collections. À savoir que là, si vous voulez changer la disposition, en gros, vous voulez celui-là en premier, celui-là en second, ainsi de suite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, là où il y a écrit meilleure vente, ok. Et moi, vous mettez ça manuellement. D'accord. Donc quand vous mettez en manuel, vous avez les 6 petits points à côté qui vous permettent de switcher au niveau de l'ordre. Ok. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est bon, c'est enregistré. Ensuite, je sors de là. Du coup, j'ai mes deux collections qui sont faites. Ok. Maintenant, par rapport au stock. Ici, on va voir les stocks. Donc toujours, on est toujours dans produit. Hein. Vous avez les stocks. Là, on peut voir les stocks en question qui apparaissent. Donc on voit qu'en disponible, il y a tous mes stocks qui sont présents. D'accord. Si jamais vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier ici. C'est pareil, si vous voulez le modifier en bloc, vous cliquez là et vous faites modifier en bloc. Et là, vous changez vos stocks qui sont ici. Ok. Et vous pouvez changer les prix également tout d'un coup. D'accord. Donc, ici, vous avez les bons de commande. Donc pareil, les bons de commande, c'est si jamais vous faites du B2B, admettons, ou admettons vous êtes vous-même un fournisseur, faites gérer le bon de commande. Et là, vous pouvez sélectionner un fournisseur en question et le shop en question que vous voulez le mettre, parce que vous pouvez avoir des boutiques physiques que vous pouvez ajouter dans vos destinations. Vous remplissez les champs et vous l'envoyez directement avec un numéro de référence, une estimation d'envoi et tout ça. D'accord? Donc là, c'est les bons de commande. Ensuite, vous avez les transferts. Les transferts, c'est quoi? C'est quand vous avez un emplacement. Donc, eux, ce qu'ils appellent un emplacement, ça équivaut à une boutique, en fait. Si vous avez une boutique physique, en fait, par exemple, on dit, allez, admettons, on est Decathlon. Ok, on a plusieurs magasins, on est Decathlon. Au niveau des stocks, vous apercevez que, je sais pas, moi, un t-shirt, par exemple, vous aimez le foot ou le basket. On va prendre le basket, c'est plus neutre. Parce qu'en France, le foot, c'est problématique. Mais si je prends, admettons, les Lakers, ok, vous voulez un truc des Lakers, il est pas au Décathlon. Moi, par exemple, là, actuellement, je suis à Carcassonne. S'il n'est pas Carcassonne et on me dit, ben voilà, va sur Toulouse à telle boutique, ils ont le maillot des Lakers dans la taille en question. Ben, en fait,
Je peux voir les stocks, où est-ce qu'ils sont directement quand j'ai une boutique Shopify, où est-ce qu'elle est. Et l'avantage des transferts, c'est que par exemple, si moi je suis à Carcassonne, je ne vais pas me taper la route pour aller à Toulouse, ben je peux, la boutique peut demander, ok, envoie-moi le produit en question, fais un transfert de boutique en boutique et vous pouvez voir le transfert. D'accord? Donc là, il n'y a pas besoin parce que pour le moment, j'ai pas encore rentré les emplacements, mais dès que je mettrai les emplacements, je vous montrerai comment en fait faire des transferts. On va créer des fausses boutiques physiques et on fera les transferts. D'accord? Les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, bah, comme son nom l'indique, tout le monde le connaît, hein, les cartes cadeaux, c'est que vous pouvez créer des cartes cadeaux pour votre boutique. Il n'y a pas de limite en fait en termes de tarifs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous faites une carte cadeau de 200 euros, vous faites une carte cadeau de 200 euros. Vous pouvez la créer en mode numérique ou la mettre comme si c'était un produit que les gens peuvent acheter. Ou sinon, quand vous faites, par exemple, pour faire connaître votre marque, si par exemple avant le lancement, vous faites des jeux concours, des choses comme ça, plutôt que de proposer de faire, par exemple, voilà, vous avez gagné une montre ou un truc comme ça, vous pouvez aussi proposer, ben voilà, vous avez gagné un bon d'achat de 50 euros, donc une carte cadeau à utiliser sur notre boutique. Comme ça, ça fait en sorte que la personne revienne sur votre boutique, vous récupérez la data, donc les informations le concernant, que vous enregistrez dans votre, au niveau de vos clients. D'accord? Mais voilà, pour créer une carte cadeau, vous pouvez soit créer une carte cadeau où là, vous allez voir, on va vous proposer deux, trois choses. Il y a un code qui apparaît, vous mettez avec ou sans date d'expiration, vous mettez la valeur que vous voulez. Bon, vous avez pas, je crois que vous pouvez pas mettre quand même 1000 euros, on va voir. Si je mets 1000 euros. Bah, je suis pas limité. Je peux mettre 1000 euros, je peux mettre une remarque interne et je peux la créer par la suite. D'accord? Mais là, concrètement, on va pas créer de carte cadeau. Bon, quoique pour le fun, je vais vous montrer. On va dire, même si ça n'existe pas, on va créer une carte cadeau de 1000 euros. Aucune date d'expiration. J'ai pas de client. J'enregistre. La carte cadeau a été créée. Donc, une carte cadeau de 1000 euros avec le code qui est ici. Et la personne, en fait, si vous voulez la modifier, vous la modifiez et vous avez la carte cadeau qui est là que vous pouvez distribuer. D'accord? Vous copiez le code qui est là et vous l'envoyez. D'accord? Moi, perso, la carte cadeau, je la veux pas. Bon, je la verrai après. Je la supprimerai après. Je vais la désactiver. Au cas qu'il y ait des malins qui arrivent à me commander des produits et je le fasse carotte. Donc, je vais désactiver. Ok? Donc, ici, vous pouvez aussi créer d'autres cartes cadeaux pour les créer en mode produit aussi, si vous voulez. Alors, attendez, ajouter une carte cadeau en tant que produit. Ça veut dire que là, ce sera la carte cadeau en question. Vous mettez les différentes cartes cadeaux qui existent et vous pouvez en créer comme si c'était un produit. Par exemple, comme des cadeaux qui peuvent se faire pour dans votre famille ou pour Noël ou autre. D'accord? Un peu ce que font toutes les marques comme la Fnac, Apple et tout ça, c'est un peu ce qu'ils font. D'accord? Le catalogue, ça nous concerne très peu, mais ça, c'est un catalogue d'achat, c'est les genres de catalogues qu'on peut donner quand vous voulez faire avec un grossiste ou des choses comme ça. Vous créez un catalogue, vous l'envoyez et les gens peuvent choisir leur prix, vous voyez, on peut en apporter un si vous voulez, et vous mettez tous vos produits dans le catalogue ou des produits spécifiques, d'accord? Et après, vous pouvez aussi choper, si vous avez déjà un catalogue, un fichier CSV que vous mettez dedans et tout sera répertorié, d'accord? Mais généralement, c'est plus pour du B2B que pour du B2C, d'accord? Donc, business to business ou plutôt que business to customer, d'accord? En sachant que le customer, c'est vous-même. Donc, là, on a vu les produits, ok? Maintenant, on va aller sur la partie client, ok? On va voir sur la partie client. Donc, ici, dans client, moi, j'y suis, vous avez plusieurs segments, ok? Il y a les clients, les segments, les entreprises. Donc, si par exemple, vous faites du B2B, du B2C, ben, si vous avez des clients à vous qui vous avez déjà fait une démarche, comme j'ai dit, pour essayer de augmenter votre notoriété en faisant des jeux concours, des choses comme ça, et que vous avez des emails, vous allez ici dans ajout client, vous mettez nom, prénom, l'email, numéro de téléphone si vous l'avez, les adresses si vous l'avez, un petit commentaire et des balises. Pareil, parce qu'effectivement, vous pouvez mettre des balises. Par exemple, si je viens chez vous, ok? Si je viens chez vous, dans votre boutique, et que j'achète des produits, si par exemple, j'en ai eu pour 10 000 euros et vous me dites, bah lui c'est un client VIP, bam, au niveau des balises, vous me taguez comme un VIP, ok? Si jamais c'est pas le cas, vous mettez autre chose, mais vous pouvez tout faire, ok? Donc, une fois que ça c'est fait, après, par la suite, vous allez pouvoir, en fait, une fois que c'est fait, vous pouvez par la suite retrouver vos clients directement ici, ok, vous les trouverez là. Si vous avez un fichier CSV, si vous aviez par exemple une autre boutique, moi j'ai déjà eu le cas avec des clients qui peuvent avoir des boutiques sur Wix, qui peuvent avoir des boutiques sur PrestaShop ou WordPress ou Webflow, ou, bref, il y en a plein des CMS. Ben en fait, vous pouvez en fait tout simplement exporter vos contacts. Donc vous prenez tous vos contacts, donc ça va se transmettre comme un fichier sous forme d'un fichier CSV.
Ce fichier CSV-là, vous allez pouvoir l'importer ici. Vous faites cliquer là, vous faites ajouter un fichier. Et quand vous avez un fichier CSV qui va apparaître, est-ce que j'en ai un? Voilà, là j'en ai. Mais là, c'est des exports de produits, donc c'est pas ça. Mais voilà, vous pouvez récupérer ce qu'il y a ici et directement le mettre sur votre boutique. Et là, vous aurez tous vos contacts qui apparaîtront. Ok? Vous aurez tous les contacts qui apparaîtront. Donc par défaut, ça c'est très bien si vous avez un fichier CSV, si vous n'avez pas, il faut le faire à la mano. Mais à chaque fois qu'un client va aller sur votre site web, va s'inscrire à la newsletter, il apparaîtra ici. À chaque fois que quelqu'un va aller sur votre site web, il va commencer à rentrer les informations de paiement avec son numéro de contact et tout ça, tout apparaîtra ici, ok? Tout apparaîtra dans ce coin-là. Après, vous pourrez le mettre des balises pour savoir de quel segment il fait partie, d'accord? Ensuite, une fois qu'on est là, vous avez toujours dans client, vous avez les segments, ok? Les segments, c'est pour vous dire de quelle manière les gens sont venus. Elles sont venues grâce aux emails, donc c'est les newsletters. Est-ce que c'est un client qui était ajouté par l'entreprise ou pas? Est-ce que des gens qui ont déjà au moins effectué un achat? Voilà, vous aurez vos stats, ok? Et après, vous pouvez créer des segments, hein, en particulier, par exemple, ceux qui ont fait des abandons de panier ou des choses comme ça, ok? Ensuite, ici, vous avez les entreprises. Pareil, l'entreprise, c'est vous qui allez ajouter une entreprise si vous faites du B2B, ok? Si vous faites pas du B2B, aucun intérêt de le faire, mais au cas où, c'est ici que vous irez, ferez ajouter, vous mettez le nom de l'entreprise, l'ID que vous allez lui donner au niveau de l'identifiant. Après, ici, vous allez mettre les différentes informations. Et ensuite, par défaut, si vous avez un catalogue à lui proposer, c'est ici que vous le mettrez. Vous savez, le catalogue qu'on a vu avant dans le produit, s'il y a un catalogue particulier pour lui, vous pouvez le mettre là. D'accord? Là, vous pouvez demander des modalités de paiement. Vous pouvez lui dire ici s'il a un identifiant au niveau fiscal pour les taxes, s'il est exonéré et ainsi de suite. D'accord? C'est vraiment assez précis, c'est pas mal. D'accord? Donc voilà pour les clients. La partie contenu. Ça, c'est la partie qui est plutôt sympa. D'accord? La partie contenu, ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est les fichiers. D'accord? Les fichiers, c'est ici que vous allez, tout ce que vous allez mettre sur votre boutique apparaîtra dans fichier, vous aurez son poids. D'accord? Là, par exemple, pour une démonstration, effectivement, je vous ai montré des vidéos, des photos que j'ai mis. Elles pèsent super lourd. D'accord? Sur un site web, 6 mégas, c'est énorme. Même si c'est une vidéo, le mieux, c'est d'essayer d'être en kilo-octets. Donc, pour ça, pas de panique. Quand vous êtes sur, par exemple, Canva, vous pouvez le télécharger sous certains formats. D'accord? Pour qu'il soit plus léger. Après, vous pouvez refaire pour les vidéos un montage sur CapCut, histoire qu'il allège un petit peu, ou sinon il y a des outils qui vous permettent de formater votre contenu en ligne pour que votre site soit beaucoup, beaucoup plus léger. D'accord? Donc, ici, fichier, pour le mettre, c'est très simple, vous faites importer un fichier, vous choisissez un fichier, que ce soit vidéo ou photo, et il vous le télécharge. Ok? Une fois qu'on a vu le contenu qui est ici, après vous avez les méta-objets, pardon, mais les méta-objets, c'est seulement si vous utilisez pour afficher des informations uniques, en fait, par rapport à certains produits, pour inciter des ventes ou des choses comme ça, d'accord? Un guide de taille, ou voilà, on peut ajouter une définition, vous cliquez là, et là, en fait, en fonction du produit que vous allez choisir, on va dire que c'est la boutique en ligne, on va choisir un champ, et ça va se mettre automatiquement sur votre produit. D'accord? C'est pour faire des incitations à l'achat ou des choses comme ça. Mais vous avez des plugins beaucoup plus optimisés qui vous aideront par rapport à ça. Ok? Passons maintenant à l'analyse de données. C'est quoi? L'analyse de données, bah, c'est là où vous aurez finalement toutes vos données concernant votre boutique. Les ventes réalisées, les différents canaux utilisés, les visites que vous avez, l'ajout au panier. Alors avec un collègue avec qui on fait pas mal de podcasts, il s'appelle Bastos, des dédicaces à lui s'il regarde. Mais en gros, ici, on avait déterminé qu'en gros, en général, il faut être minimum à 3% pour être rentable, d'accord? Au niveau de la visite de converti. C'est-à-dire que très souvent, ce qui arrive, c'est qu'ici, on peut avoir pas un bon chiffre, genre, je sais pas, moi, 7, 8 ou même 15%. Ensuite, derrière, ça peut réduire à 6, 7%. Et après, au final, les visites converties peuvent être à peine à 1%. Pour être rentable, tout dépend du produit que vous vendez, bien sûr. Mais en général, il faut être à 3% au final. D'accord? Entre 3 et 8, c'est très bien. D'accord? Vous avez des boutiques qui les dépassent. Il y en a qui les dépassent pas. Tout dépend ce que vous vendez. Mais voilà. En tout cas, pour être bien et rentable, faut être à peu près à 3% au niveau des ventes converties par rapport au nombre de personnes qui sont allées sur votre site web. D'accord? Voilà, voilà. Donc ici, après, vous avez toutes vos commandes, la valeur moyenne du panier. Voilà, vous avez plein d'informations. Là, il n'y a pas parce que c'est une boutique de démonstration. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des achats que vous aurez et tout ça, ben, vous aurez automatiquement toutes vos informations. D'accord? Là, ça me l'a pris hier, mais comme c'est une démonstration que j'avais déjà fait des... Je suis déjà venu dessus. On va voir si il va me faire un truc.
si on a un peu plus de data. Voilà, on a cette data, donc on avait fait une démarche, voilà, on voit un peu plus d'infos. On voit qu'ici, il y a eu un nage au panier, mais ça n'a pas abouti, donc c'est moi quand j'ai fait mon test. Visite par emplacement, bon, on voit que c'est les Américains, donc ça c'est souvent les robots en général, ou l'Irlande, des fois vous pouvez les voir. La France, ici, on voit que des stocks, c'est que de l'ordinateur, d'accord. Et ici, on voit que c'est des gens qui sont venus au direct, ok. Et fond de teint en poudre pressée, donc ça c'est un truc que j'avais créé, mais on voit que c'est un produit qui plaisait, d'accord. Donc, voilà pour l'analyse des rapports. Donc, en haut, vous pouvez choisir la date à laquelle vous voulez. Vous pouvez monter jusqu'à un an, d'accord ? Et voire même un peu plus si vous allez à l'année dernière, d'accord ? Mais là, moi, la boutique, je viens de la faire il n'y a pas longtemps, donc il n'y aura que dalle, d'accord ? Et ensuite, par rapport à ça, vous avez aussi la possibilité de comparer par rapport à des périodes. Si par exemple vous voulez comparer ce que vous avez fait au Black Friday d'avant pour calculer si vous êtes plus rentable ou pas, vous pouvez tout faire. Après vous pouvez personnaliser, hein. Vous pouvez aller ici, rajouter ici des variantes, le nombre de visiteurs, voilà, vous mettez ce que vous voulez, d'accord. Après effectivement quand vous êtes sur la version payante, un peu plus, quand vous prenez un forfait au-dessus, vous avez plus de possibilités de faire des rapports, d'accord. Donc là-dessus, voilà, c'est tout pour la partie analyse de données. On va aller juste encore dedans. Vous avez tout ce qui s'appelle rapport, d'accord. Et au niveau des rapports, c'est pareil. Ça veut dire que le site va pouvoir déterminer l'historique par rapport aux visiteurs, les types de conversions, les recherches dans les historiques, les clients et tout ça. Vous aurez toutes vos infos, ok. Vu en direct, je trouve ça plutôt fun. La vue en direct, en fait, c'est pour vous dire que, voilà, total des visites, il y en a deux qui sont en visite. De quel pays ils viennent, ben, vous verrez apparaître un petit point bleu sur la carte, d'accord. Et si jamais il y a un panier qui est actif, ça vous le dira. Quand il arrive au niveau de paiement, ça clignotera, ça mettra 1 avec le clignotement. Et quand ça a acheté, ce sera ici. Ensuite, ici, ils vous diront le nombre de visiteurs présents, total de visites que vous avez eu et les ventes totales. Et là, ici, ils vous diront les différentes villes. Moi, on voit que même si c'est un test que j'ai fait, on voit qu'il y a des gens qui ont essayé d'aller dessus. C'est des gars de Paris. Il y en a deux. D'accord ? Après, j'ai pas bu se regarder, mais on voit que c'est des gars de Paris. Ok ? C'est écrit dessus. Après, quand vous avez d'autres pays, vous verrez, ça apparaîtra un peu partout. D'accord ? Donc, voilà, c'est tout pour l'analyse des données. Maintenant, on va passer sur la partie marketing. Ok ? Alors le marketing, c'est pas mal parce que le marketing, on peut créer des campagnes. Donc en fait, vous allez aller ici. Soit vous faites le système que vous avez expliqué au tout début de la vidéo avec les emails. Donc sachant qu'avec Shopify, gratuitement, vous avez le droit à 10 000 emails. Okay, c'est 10 000 emails que vous envoyez. Quand vous faites par exemple des paniers abandonnés, ça compte comme un email. Okay, donc les 10 000 emails, c'est pas mal, surtout quand vous vous lancez au début. Et même si après, admettons, vous dépassez, faut savoir que si vous dépassez, c'est 1$ les 1000 emails, d'accord, c'est écrit dessus. Donc ça veut dire que si vous en envoyez à nouveau encore 10 000, ça fait à peine 10$. T'en envoies 100 000, finalement, ça va te faire à peu près 1000€, d'accord. Donc en gros, c'est pas mal. Donc j'ai une connerie, pardon. 100€, 100€. T'en envoies 10 000, ça fait 10. Et 10€, c'est ça, et t'en envoies 100 000, ça te fait 100 balles, d'accord. Donc, c'est pas du tout cher, d'accord. T'envoies 100 000, c'est pas cher, t'envoies 1 million d'emails, 1000€, ça va, ok. Sachant que derrière, tu convertis, si t'as, voilà. On dit souvent que l'argent est dans la liste, donc faut pas s'arrêter. Et si vous avez beaucoup d'emails et beaucoup d'informations et beaucoup de clients, vous envoyez comme ça, c'est totalement gratuit. Sachant qu'effectivement, il existe des formules, hein, que tu prennes Klaviyo, Mailchimp, Automizly et les autres. Tu as des forfaits, mais le problème, c'est que c'est pas rentable du tout. En fait, ça va être très cher. Sauf si derrière, tu as un bon produit, tu convertis direct, tu automatises un peu plus. Effectivement, investis dans ces outils-là. Mais quand tu viens de te lancer, je te conseille pas. Reste là-dessus, sur du gratuit, c'est très bien. D'accord ? En haut, tu vois ici, il y a toujours écrit qu'il y a du Pinterest, du Snapchat, tu peux tout connecter. Et après, ici, tu peux envoyer des annonces, tu vois, sur ces réseaux-là. Tu peux faire avec les emails directement, publier sur les réseaux sociaux et envoyer des SMS. Donc ça, c'est avec des plugins, ok. Tu connectes des plugins. Il y a des plugins qui se connectent par rapport à Facebook et Instagram. Je te montrerai tout à l'heure. Pareil pour les SMS, comme SMS Bump, d'accord. Donc là, par rapport aux emails, si je voulais envoyer un email d'ici, je clique ici. Donc tu vois, là, je suis en train de cliquer sur Shopify Email. Par défaut, quand tu l'as pas paramétré, il va te poser 2-3 questions. Tu feras juste suivant pour y aller. D'accord ? Parce que moi, j'avais déjà fait, donc forcément, ça me le met normalement. Et une fois que tu vas y arriver, en fait, tu vas avoir une interface qui va te permettre de choisir des templates. Donc, ouais, finalement, je l'avais enlevé, donc très bien. Donc, tu vas arriver sur un truc comme ça où il va te commencer à t'expliquer, en fait, comment tu vas programmer ton ossature pour tes mails. Donc là, si tu as un logo, tu mets ton logo,
Ok, moi j'ai pas de logo en soi là. Bon, c'est pas grave, je vais prendre. Je le ferai plus tard. Là, j'ai pas de logo. Wellness Crew, ok. La police, est-ce qu'il y a du popin? S'il n'y a pas de popin, c'est pas grave. On reste comme ça. Voilà. Moi, je reste comme ça, je valide. Et là, je fais suivant. D'accord? Et là, je vais avoir des templates qui vont m'être proposés. Ok? Donc, vous verrez, les templates, c'est pareil, c'est comme du Lego. Donc là, vous allez aller là, vous prenez, admettons, non, pas celui-là, c'est newsletter, ou quoi que, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer le mail, comment ça se présente. Donc là, vous avez l'objet. Là, vous avez l'aperçu. Petite astuce, si vous voulez augmenter votre taux d'ouverture, c'est mettez des messages contre-intuitifs. Par exemple, si tu mets un message genre merci pour ta commande, même si le mec n'a pas commandé, hein, merci pour ta commande ici, par réflexe, tu vas l'ouvrir, tu vas te dire mais attends, moi j'ai rien commandé. Et en fait, après, derrière, tu peux te mettre autre chose, mais par défaut, le fait de faire ça, tu auras un bon taux d'ouverture. Après, les gens, bah, en fonction de ton contenu, ça peut leur plaire ou pas. Ils peuvent trouver ça sympa, la façon dont tu es venu les voir. Mais ça, c'est du marketing, d'accord? C'est, par exemple, pour Noël, n'oublie pas ton cadeau Noël pour les fêtes ou merci pour Noël, j'espère que le cadeau va te plaire. Et bam, le gars, il va voir ce qu'il y a. Et en fait, derrière, vous proposez, par exemple, un pourcentage, un code de pourcentage, des choses comme ça, sur un produit. D'accord? Après, il y a plusieurs techniques. Là, si c'est les soldes actuellement, moi, par exemple, si c'est les soldes, je ferai merci pour ta commande. Quand le mec, il ouvre le truc, je préparerai le produit en disant comment tu as trouvé le mail. Et après, tu peux dire, bah, j'espère que tu vas trouver ton bonheur dans nos produits, dans nos collections, et ainsi de suite. Et pour te remercier d'avoir ouvert le mail, voici 10% sur ta prochaine commande, par exemple. D'accord? C'est des idées, hein, c'est des idées. Mais là, en fait, là, tu as ton mail qui est là. Si tu veux acheter des sections, tu vois, tu peux switcher les sections, comme là. Toi, je peux switcher, faire le truc un peu comme je veux. OK? Si je veux rajouter une section, juste à cliquer sur le petit plus qui est là, il me demande ce que je veux ajouter. Par exemple, je veux ajouter des produits. Je veux rajouter un produit, je vais cliquer là. Je vais ajouter, allez, 4 produits. Non, pas celui-là. On va prendre 2 comme ça. Voilà, on va prendre 2 comme ça et 2 comme ça. Là, je vais ajouter les produits. Tu vois, ils sont par 4. D'accord? Ici, je vais choisir ce que je veux. Est-ce que je veux mettre les titres ou que les prix? Si je veux pas, je les enlève. OK? Est-ce que je mets un bouton ou pas? D'accord? Si je mets pas de bouton, c'est cliquable, mais je peux mettre un bouton. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, alors attends, je vais enlever ma grosse tête, voilà. Tu peux choisir de l'avoir par 1, d'accord? Ça fait comme ça. Par 2 ou par 3, d'accord? Donc, par défaut, le mieux c'est de le mettre par 2. Tout dépend du nombre de produits que tu as, mais c'est le mieux de le mettre par 2, d'accord? Tu peux choisir la couleur de fond, tu peux choisir si tu veux en pleine largeur ou pas, ça fait un truc comme ça. Hop, en gros. Après, tu peux choisir aussi ta police, tu peux mettre une image de fond. Bref, tu peux mettre ce que tu veux si tu n'aimes pas les images. OK? Une fois que c'est fait, là, il est validé. Après, si tu veux rajouter entre deux à nouveau, admettons, tu peux mettre un code de réduction, tu peux mettre une carte cadeau, tu peux mettre une photo, tu mets ce que tu veux. OK? Et après, tu peux même t'envoyer un test ici pour tester le mail. OK? Donc, je fais envoyer. Bloqué, ne peut pas envoyer d'email. Ah oui, parce que je suis en mode test, c'est vrai. Donc là, une fois que c'est fait, d'accord, ça s'enverra automatiquement pour vous. Vous pouvez voir la version ordinateur, la version portable, comment ça va donner. OK? Si jamais vous vous êtes trompé dans ce que vous avez fait et vous êtes en mode PLS, et vous êtes en panique, vous cliquez ici pour revenir en arrière. Ça enlèvera l'étape que vous avez faite juste avant. OK? Si vous voulez ajouter des sections, vous avez aussi un bouton qui est ici, mais en fait, quand vous passez la souris dessus, hop, automatiquement, vous pourrez la modifier. Vous voyez, vous avez des plus là. Vous mettez ce que vous voulez. OK? Allez. Donc pour ça, je vous ai montré pour les mails, on quitte tout ça. OK? Là, en fait, une fois que vous aurez envoyé vos mails, vous pourrez voir effectivement le taux de clic, les ventes que vous avez générées et le nombre de mails qui ont été envoyés et ouverts. D'accord? Vous pouvez voir ça. Vous avez vu, là, vous avez 30 jours, 90 jours ou l'année complète. D'accord? Vous pouvez avoir tout au niveau des mails. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez garder l'application verte pour pas chercher 15 ans à chaque fois, vous avez juste à cliquer ici. Hop, et là, dans les applications, c'est en place. D'accord, j'ai épinglé les emails. Ok, donc là, on a vu la partie marketing. Ok, si jamais il y a des campagnes en cours, c'est ici que vous les verrez.
Ok, s'il y a des campagnes que vous avez lancées, vous les verrez ici, vous verrez le nombre de visites, le nombre de commandes, le nombre de ventes, le taux de conversion, les nouveaux clients que ça vous a emmené. Voilà, vous pouvez tout voir. Et pareil, vous pouvez faire sur plusieurs jours, donc 30 jours, vous avez vu, 90 ou un an. Voilà, d'accord? Ici, vous avez les automatisations. Automatisation, ça veut dire que c'est pour les paniers abandonnés, ou les paiements abandonnés, ou la recherche de produits abandonnés. Bon, bref, vous pouvez créer différentes automatisations. Vous allez créer ici une automatisation, et là, vous avez différentes choses qui vont vous être proposées. D'accord? Des fois, certaines choses sont proposées avec des applications tierces. Comme là, vous voyez, il y a Automizly. Et il y a également Shopify, mais ici vous avez des automatisations que vous pouvez créer. Par exemple, par rapport au panier abandonné, vous pouvez faire, vous avez vu, plusieurs manips. En mode, il est allé sur le site, il a abandonné, on envoie un mail à tel endroit, on attend 4 heures et là on le balance l'information. D'accord? Donc là pour ça, vous pouvez tout automatiser par rapport à ça. D'accord? Donc ici ces automatisations. Ok, maintenant on va passer sur un autre onglet. On va passer sur l'onglet réduction. Ok, donc maintenant je vais sur les réductions. Les réductions, là il y en a une qui est ouverte, donc je vais la supprimer pour vous montrer comment en créer une. D'accord? On va en créer plusieurs. Ok? Par exemple, là je suis en train de faire des soldes. Admettons, si je fais des soldes et que je veux créer un code promo automatisé. Ok, là vous allez voir qu'il y a quatre possibilités de faire des codes. Vous avez le montant de la réduction sur le produit. Donc là par exemple, c'est si j'applique une réduction automatique, par exemple X pour le prix de Y. Donc en général, c'est par exemple chez les commerçants, si vous le faites beaucoup, c'est j'achète trois t-shirts, le quatrième est offert, ou vous achetez un t-shirt et sur le deuxième vous l'avez à moins 30%, par exemple. D'accord? Montant de réduction sur la commande, donc là ça veut dire que le mec, dès qu'il arrive à la commande, il a une réduction automatique, ok, et l'expédition gratuite, d'accord? Vous pouvez dire que voilà, quand le mec il atteint 1 euro, admettons, il a gratuit avec un petit message. Vous savez ce que je vous ai dit au tout début? Au tout début, je vous ai dit que des fois, quand vous avez un produit, si vous mettez un certain prix, les gars, il va vous acheter votre produit, il n'y a pas de problème, c'est à cliquer, il a acheté le produit. Mais si à un moment donné, la personne va au moment de payer et que vous lui dites, ben voilà, maintenant, si tu veux acheter, par exemple, si tu veux acheter le produit, tu as une livraison à 7 ou 8 euros, d'accord? Les gars, dès le départ, ils vont déjanter parce qu'ils vont trouver que c'est une arnaque. Dans le sens où tu me dis que tu me vends un produit et derrière le produit, peut-être j'en ai pour 50 ou 100 balles, j'ai même pas la livraison offerte, tu me l'imposes, tu vois, encore de la rajouter. Les gens n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression d'être pris à double tranchant, d'accord? C'est comme quand tu vas au resto. Imagine, tu vas au resto, tu manges, ok? Le mec, il te dit, moi, ça m'est déjà arrivé quand je suis aux États-Unis ou au Canada. C'est sur le coup, t'es surpris quand t'es pas habitué, mais après tu t'habitues. Mais au début, toi, tu vois tous les prix qui sont hors taxes, ok? Et à un moment donné, quand tu vas au restaurant, surtout au steak, c'est que tu vas payer et tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas les taxes et il n'y a pas non plus les tips, d'accord? Les pourboires. Donc en gros, au début, tu es censé avoir un truc à 60$, mais avec les taxes, les tips et machin, tu peux te retrouver à plus de 100$, tu vois. Et en fait, tu es dégoûté parce que si on te l'a pas dit, si tu le connais pas, sur le coup, tu vas être frustré. C'est comme quand des fois, ils t'imposent en mode, ils te disent que si tu mets 10%, c'est que t'as pas aimé le truc. Si tu mets 15%, c'est que c'était moyen. Si tu mets 20% de pourboire, c'est que t'as bien kiffé, tu vois. Mais sur un truc à 100 euros, 20% de pourboire, c'est 20$. Et 20% de taxes, c'est 20$ aussi. Donc en gros, t'as mangé pour 100$, mais en fait, derrière, tu vas devoir rajouter 140$. D'accord? Donc c'est pour ça que les gens aiment pas ça. Moi, en tout cas, j'aime pas rajouter à la fin, quand je me fais avoir, c'est pas mon délire. Donc à ce moment-là, ce que tu peux faire, tu crées une automatisation par rapport à l'expédition gratuite. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il arrive au niveau du paiement, d'accord? Au moment où il est sur le paiement, ben en fait, comme il a atteint le palier, je sais pas moi, par exemple 1 euro, tu peux faire félicitations, vous avez débloqué la livraison gratuite. J'espère que cela va vous plaire, bam, bam, bam. Et le mec, il va le prendre, d'accord? Et parfois, il peut se dire, bah attends, si j'ai la livraison gratuite, je vais essayer de prendre plus de choses, peut-être. Et à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant de proposer des upsells supplémentaires ou des cross-sells par rapport à ton client pour que derrière, il puisse augmenter son panier moyen, d'accord? Donc, on va faire d'abord le premier, d'accord? On va pas tous les faire, hein. Mais là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une réduction automatique. Donc, si par exemple, je veux faire une réduction automatisée, le truc, c'est que c'est bien et pas bien. La réduction automatique, c'est que dès le départ, ça va vous dire, ben voilà, il y a moins 30% sur le produit, mais le problème, c'est que ça va pas apparaître sur le produit en lui-même, ça va apparaître quand vous arriverez en caisse. Donc, ça veut dire que, en fait, soit vous, en amont,
Vous faites en sorte que le produit soit déjà appliqué. Quand le mec il va sur votre site, il voit qu'il y a déjà les 30%, d'accord ? Vous faites réduction et choses comme ça. Mais à ce moment-là, vous mettez pas de code promo, d'accord ? Comme ça, quand le mec il arrive à la boutique, à la fin, il a le truc en question. Soit vous faites un code de réduction, d'accord ? Et là, en fait, le code de réduction, vous le mettez en haut dans votre bannière, d'accord ? Dans le header en haut, vous mettez en fait tout simplement le code de réduction. Pensez à copier-coller ce code de réduction-là ou vous utilisez un plugin comme Automizly qui vous permet de le faire, d'accord ? C'est un peu comme ce que j'ai mis sur la boutique-là, vous voyez, ce truc-là. Inscris-toi pour avoir tes 20% bonus, ok ? Et juste au-dessus, j'ai dit « Utilise le code mai2023 ». Pour 20% supplémentaire. Parce qu'à l'époque, j'avais fait la boutique, c'était en mai. Ok. Donc, ici, moi, je vais dire un code de réduction. Et le code de réduction, pourquoi je vous le conseille? Parce que très souvent, les gens le voient pas. Pas très souvent, mais la plupart du temps, les gens, ils font pas gaffe. Ils vont acheter, vous allez voir que des fois, vous allez avoir des gens qui ont acheté sans prendre le code promo. D'autres vont le faire, d'autres non. D'accord? Et en fait, ça veut dire que vous avez mis, vous, la promotion. La personne, si elle a pas utilisé, elle a pas utilisé, mais ça fait plus d'argent pour vous. Ok, donc on arrive ici. Soit vous générez un code aléatoire, ok. Soit vous en créez un. Là, on va mettre test. Pas obligé de mettre de majuscule au fait. Hein. Test vidéo 2024. Voilà. Là, je vous conseille de toujours faire pourcentage. Ok, pourquoi? Admettons, vous dites, bah allez, on va faire une remise de 5€. Ok. Sur un produit à 10€. Je prends 10€ parce que c'est le plus simple. Je fais une remise de 5€, donc ça fait en gros une remise de 50%. Ok? Moi, ce que je vous conseille, c'est dans ces cas-là de faire un pourcentage en disant, ben, en fait, il y a une remise de 20%, par exemple. Ok? Ou 10% ou 20%. Comme, quoi qu'il arrive, le chiffre en question, psychologiquement, il est plus fort. Ok, 10 ou 20, c'est plus fort que 5. Donc, en gros, c'est psychologique. C'est que le mec, en fait, quand vous mettez 10%, ok, vous allez mettre 10%. Et quand vous allez mettre vos 10%, le gars, il va croire qu'en fait, il fait une méga affaire, en fait. Parce qu'en fait, il dit, ah ouais, j'ai 10%. Même si le chiffre 5, c'est 5€, donc c'est comme s'il avait 50%, dans sa tête, au niveau des chiffres, que tu mets 10 ou 20%, t'es gagnant. Dans le sens où, si c'est 10% sur 10€, bah, le mec, il gagne qu'un euro. Tu mets 20% ou même 30%, le mec, il gagne 2 ou 3€. T'as quand même fait ta marge et lui, dans sa tête, il a l'impression de faire une affaire de fou. Putain, j'ai eu 30%, c'est énorme. Et en fait, 30%, c'est 3 balles. Ok? Et en fait, toi, au départ, t'étais parti dans ta tête de mettre 5€ pour être, t'aurais été un peu à perte. Là, t'es moins à perte. Ok? C'est une stratégie que je vous conseille de faire, de toujours mettre des pourcentages. Par contre, attention, si tu fais du high ticket, tu mets pas de pourcentage, ok? Tu fais là au chiffre. Par exemple, tu vends une télé, allez, j'ai une connerie, tu vends une télé à 4 000€, d'accord? On part du principe que c'est un très high ticket. Tu vends un truc à 4 000€, ok? Je prends ma calculette, tac, tac, tac. Si on a dit que t'étais à 4 000€ ta télé, si par exemple tu dis, ben, je vais te faire une remise dessus, vous avez une remise de 25%, ok? Ça fait 1 000€. Tu vois, 25%, ça fait 1 000€. Mais comme le chiffre 25 est petit, moi, ce que j'aurais fait, c'est je vous offre 450€. Donc là, ça veut dire que si tu as une grosse télé, tu fais l'inverse. Tu fais une remise de 450€. Le mec, il va se dire, putain, entre 10% ou 20% et 450€, dans sa tête, il va avoir 450€, il va croire que c'est une méga affaire, il va le prendre. Alors que en réalité, sur 4 000€, d'accord, si en fait, le gars, tu lui faisais, admettons, allez, je crois que c'est 15% à peu près. 4 000€, voyons si c'est 15%. Ouais, c'est un peu moins. Ça veut dire qu'en gros, tu as fait une remise à peu près de 10 à 12%. D'accord? Donc, 10, 12% de remise au lieu de 30, t'es largement gagnant. D'accord? Mais c'est le chiffre. D'accord? Faut jouer là-dessus. Si vous voulez vendre et faire du bénéf, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ok? Là, vous choisissez, donc une fois qu'on a choisi le pourcentage, vous choisissez la collection spécifique. Est-ce que vous voulez un produit spécifique ou est-ce que c'est une collection spécifique? Un produit spécifique, c'est genre mes crèmes. Ok, ma crème, je prends un type de crème. Et en fait, le pourcentage, la remise va s'appliquer que là-dessus. Ok. Si vous faites, admettons, plusieurs collections, vous dites, bah non, moi, je veux que ce soit sur des collections spécifiques. Je fais parcourir et je prends mes deux collections. Comme ça, le code promo sera valide pour les deux collections. Ok. Aucune exigence minimale. Vous pouvez en mettre une si vous avez envie. Moi, par défaut, j'en mets rien parce que j'aime pas. En fait, faut vous dire une chose, c'est que quand on fait du business, il faut que faut pas trop se poser de questions. Il faut que ce soit le plus fluide possible pour votre client, pour qu'il revienne, pour que ce soit plus intuitif. Regardez par exemple que ce soit là actuellement, il y a un nouveau produit qui est sorti comme Temu, d'accord, Temu, qui est comme AliExpress. Si vous allez sur Temu, je sais pas si vous connaissez déjà, ils asmatent énormément, énormément, énormément les codes promo. Ils en font au taquet,
D'accord? Donc là-dessus, ce qui va se passer, c'est que moi, je ne mets pas de limite. C'est mieux. Vous laissez les gens, s'ils veulent prendre pour 1000 euros, ben, ils auront la promo sur l'ensemble. D'accord? Là, sur tous les clients, pas de limite. Limiter le nombre total. OK? D'utilisation, ça pareil. Je veux pas. Moi, le but, c'est qu'ils reviennent. Même si le mec, il partage 1000 fois, il partage 1000 fois. D'accord? Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Réduction sur un produit, réduction. Là, c'est si jamais on veut créer des combinaisons. D'accord? Réduction des frais d'expédition, on peut dire qu'il peut cumuler avec tout s'il a envie. D'accord? Là, c'est vous qui voyez. D'accord? Et là, vous mettez un début et vous pouvez fixer une date de fin. OK? Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et là, à droite, vous avez votre récap. Là, on me dit que mon type de méthode, c'est montant de réduction sur les produits, c'est un code. Le détail, c'est que pour le canal de la boutique en ligne, c'est pour le canal de la boutique en ligne, c'est réduction de 20% sur deux collections, aucun minimum d'achat requis, toute la clientèle, donc c'est tout type de client, que ce soit les VIP, les récents, les anciens, voilà, tout le monde peut y accéder. Il n'y a aucune limite d'utilisation et c'est non cumulable avec d'autres réductions. Ça veut dire que si j'avais une autre réduction, par exemple une promotion de livraison gratuite, ce serait pas cumulable. D'accord? Donc voilà pour ça, voilà pour le code promo. Et une fois que vous avez ici, vous aurez ici le nombre de fois que ça a été utilisé. Pratique aussi si vous devez travailler avec un influenceur, créer un code promo à son nom et à chaque fois que le nom de code en fait est utilisé avec votre influenceur, vous pouvez lui proposer si jamais vous l'avez pas rémunéré ou qu'il hésite à bosser avec vous en lui disant bah, écoute, en fonction du code grâce à toi que je vais te donner et si j'arrive à avoir des clients, tous les clients qui vont utiliser ton code, tu auras droit à 20% de tout ce que tu m'auras rapporté. Ça peut être un effet levier pour vous permettre de choper le contrat en question. D'accord? Donc, par rapport à ces promos-là, voilà. Après, il y a aussi d'autres codes de promotion. Bon, je pense que je vais vous le faire, parce que comme ça, vous aurez tout. Vous pouvez créer les codes de réduc X pour Y. Pareil, automatiser. Ça, par contre, c'est des codes promo que je vous conseille d'automatiser. Tout simplement parce qu'en fait, au niveau de ces promotions-là, ce qui est cool de voir, c'est que, en fait, bah, du coup, vous n'avez pas besoin de rentrer le code. Si après un client vous dit, ouais, mais t'avais dit qu'il y avait ça, plus ça, et que je gagnais ça, et finalement, j'ai payé 300 euros, et j'ai pas eu le truc qui devait être offert, c'est une galère, ou la remise qui devait être faite, ou autre. Là, pas de panique, vous faites réduction automatique, ok? Vous mettez le titre en question, d'accord? Voilà. Vous mettez le titre en question, le titre, ça va être, bah, vous mettez ce que vous voulez, là, c'était test, vidéo. 2024, voilà. Quantité d'articles minimum ou montant d'achat minimum. Moi, je fais par rapport aux articles, c'est mieux. Ça augmente le panier moyen aussi. Quantité, on veut qu'il achète minimum deux produits. Donc, on va dire des produits de collection spécifique, c'est mieux. Comme ça, il peut tout prendre. On lui coche les deux collections en question. Comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est mélangé là, on lui offre un truc. Et par exemple, ça peut être un upsell qui a rien à voir avec ça. Par exemple, là, je suis dans la déco, mais j'ai pas créé le produit, mais ça peut être un produit. Par exemple, même là, c'est des crèmes. Ça peut être un petit sac pour transporter, une trousse de toilette ou quelque chose comme ça. Ou pourquoi pas, effectivement, un produit, d'accord, que vous avez créé spécialement pour ça. Bon, là, pour l'exemple, je vais prendre un produit qui est là-dedans. La quantité, c'est qu'on offre un produit spécifique. À ce moment-là, on met pas une collection, mais on met un produit spécifique. Le produit spécifique que je vais lui offrir, c'est par exemple l'élixir jeunesse infinie, là. Tac, j'ajoute. Là, je vais pas mettre un pourcentage, parce qu'on peut mettre un pourcentage, hein, il peut avoir un pourcentage de moins 30% ou autre. Mais là, ce que je vais lui mettre, c'est gratuit. D'accord? Je lui offre ça. Je lui offre la pommade si on en achète deux. D'accord? Là, en fait, moi, je mets pas de définir de nombre maximum parce qu'en fait, je pars du principe que si le mec il a kiffé, qu'après sa mère, sa tante ou n'importe qui, la personne, voilà, bah, il y a la dame, elle a kiffé mon produit, elle va l'offrir à sa sœur, à sa tante, à sa belle-mère, à sa mère ou n'importe, elle peut me recommander dans la foulée d'autres produits, d'accord? Cette régulation est automatiquement appliquée sur tous les canaux de vente, oui. Donc, on peut aussi mettre en point de vente les emplacements physiques si vous en avez. Et ici, moi, je peux le cumuler, par exemple, avec la livraison gratuite, ok, ou d'autres produits. Et là, on peut mettre une date de fin, ok. Et une fois que c'est fait, juste enregistrer. Et quand c'est enregistré, voilà ce qui est dit. Type de méthode X pour le prix de Y, ok. Que c'est en automatique. C'est-à-dire que sur le canal de la boutique en ligne, parce que pour le moment, j'ai mis que ce canal-là, vous achetez deux articles, vous recevez un article gratuit. Ok, c'est cumulable avec des réductions sur l'expédition. Donc, s'il y avait écrit expédition gratuite, c'est cumulable. Actif dès aujourd'hui. D'accord? Parce que je l'ai activé dès aujourd'hui. Ok? Donc là, vous voyez, c'était assez rapide à le faire. D'accord? Hop, je l'ai créé.
Maintenant, l'autre que je voulais créer, c'est un montant de réduction sur la commande. Ok, je clique ici. Pareil, soit on le fait automatiser, soit on fait un code de réduction. Si c'est sur la commande, on peut faire, hop, réduction automatique. Je vais mettre test 2024. Voilà. Ici, on choisit, comme je l'ai dit, en fonction de ce que vous vendez, vous mettez un pourcentage ou un prix. Si c'est du high ticket, je vous conseille de mettre directement un tarif. Si c'est pas du high ticket, vous avez des produits à moins de 50 ou 100€, vous mettez tout simplement un pourcentage. Ok ? C'est plus rentable pour vous, vous serez gagnant au niveau des réductions. Donc, une fois que c'est ici, vous pouvez mettre un montant minimum d'achat. Bon, d'accord, vous mettez un par défaut ou une quantité minimum d'articles. Ok, et là pareil, vous avez juste ça à mettre en place et ce sera automatisé. Ça veut dire que là c'est des réductions sur le montant de la commande, d'accord. Donc si le mec il en a pour 1000, 2000, 5000€, quoi qu'il arrive, il aura un pourcentage automatique de 100€, d'accord. Là on peut dire que ça peut être cumulable sur des réductions sur un autre produit ou sur la commande. Mais il est déjà, hop, voilà. Et là il vous prévient juste qu'il peut y avoir des grosses réductions quand c'est cumulé. Mais je pars du principe que si le mec me lâche, là j'ai mis 1€, mais en gros, si là je veux que ce soit un truc automatisé, on va dire que voilà, c'est quand le mec me claque 100€, d'accord ? Quand il me claque 100€, il a une réduction supplémentaire qui apparaîtra et c'est effet immédiat. Ok ? Donc là je récapitule. Type de méthode, montant de la réduction sur la commande, donc à la fin, hein, quand tu arrives à la commande. C'est automatisé, donc automatique. Le détail, c'est pour le canal de la boutique en ligne. Pour le moment, j'ai que celui-là. Et vous avez 20% de réduction sur la totalité de la commande. Et là, j'ai fait en sorte que il y a un achat minimum de 100€. Donc, c'est-à-dire que si le mec, il attend 100€, sachant qu'il y a déjà une promo qui est en cours avec les 15-20% que j'avais mis avant, la livraison gratuite, bah, il se dit, bah attends, j'ai claqué 80€, mais là, à 100€, on m'offre encore 20€. Ok, je vais le prendre. C'est un peu ce que fait Temu. Je sais pas si t'as testé. Quand t'es sur Temu, ils te disent, voilà, on t'offre un produit. Et ils te disent, après, t'es pas loin d'atteindre le deuxième truc pour qu'on t'offre un second produit. Et ainsi de suite. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 6 produits. Moi, comme ça, j'ai eu ça pour 6 produits chez Temu qui m'ont offert pour l'achat de 4 ou 5 produits. Bon, je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. D'accord? Donc, franchement, c'est pas mal. Et après, ici, vous verrez après les performances et tout ça. D'accord? Et le troisième, et le quatrième, c'est expédition de livraison. D'accord? Là, vous faites réduction automatisée, vous faites que c'est pour tous les pays, livraison. Et là, vous mettez un montant minimum pour la livraison. Ok? Donc moi, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez que ça fasse croire à quelqu'un, vous pouvez mettre félicitations en nom. Félicitations. Cadeau. On va juste félicitations. Voilà. Comme ça, le mec, il aura félicitations dessus. Tous les pays, montant minimum, on va dire que ouais, là, le mec, on veut qu'il claque juste 1€ pour qu'il y ait droit. Parce que comme ça, c'est automatisé. Il a juste un truc qui dit félicitations. Tac, tac, tac. Tous les pays, on va mettre, on peut mettre que la France aussi. Hein. Faites pays sélectionné, vous mettez juste France. C'est valable que en France, hein. Par exemple, parce que les autres pays, des fois, il peut y avoir des douanes, mais vous pouvez sélectionner des pays différents, d'accord ? Moi, comme j'habite à Perpignan, si maintenant je vais mettre Espagne, d'accord ? Je vais mettre l'Espagne, d'accord ? Donc, ceux qui sont en France et Espagne, ils auront la livraison gratuite, ok ? Et là, pareil, donc combinaison de produits, ben, ça peut être combiné avec la réduction sur les produits, la réduction sur les commandes, ok ? Et là, j'enregistre. Et voilà, vous voyez, celui-là, c'est le plus simple. Donc, vous avez une expédition qui est gratuite, automatisée. Pour le canal de boutique en ligne, ce qui est normal, expédition gratuite pour tous les produits, pour deux pays, France et Espagne, achat minimum 1€ pour la livraison gratuite, cumulable avec les autres réductions. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit que je l'avais autorisé sur les autres promos, si je le fais pas, ce qui va se passer, c'est que ça va rentrer en conflit. Ok ? Donc, une fois que ça s'est fait, hop, maintenant qu'on a vu les réductions, d'accord ? On va passer sur encore quelque chose de fun et sans être fun. On va aller voir les paramètres et en